Bonsoir tout le monde et soyez les bienvenus pour cette nouvelle émission d'Autour du film sur notre chaîne. Comme d'habitude, je ne serai pas seul ce soir. Je suis avec mon comparse, El Grande Maestro Patrick. Comment vas-tu, cher ami? Mais bonsoir, cher maître. Comment allez-vous, cher maître? Ça va, j'ai failli me faire un petit infarctus, tu vois, dans les 10 dernières minutes, là. Mais sinon, ça va. Incroyable. Il faudra que tu nous racontes cela. Oui, bien sûr. Comment vas-tu autrement? Ça va, bah tu vois, regarde, j'ai fait un bond de 60 ans en arrière. Je suis en noir et blanc. C'est pas un problème de ma webcam, hein, c'est voulu. Alors, dis-nous un peu, qu'est-ce que tu nous présentes ce soir, mon cher Olivier? Ben, ce soir, nous allons aborder un film que je dirais un grand classique, puisque le film est sorti, alors tu me corriges si je dis des dingueries, mais si je ne me trompe pas, le film est sorti en 63, me semble-t-il. Je crois, je suppute. Tu supputes? Je suppute. Oui, effectivement, c'est en 63 qu'il est sorti. C'est vrai. Et ce film, le voici. Enfin, voici le titre tel qu'il apparaît dans le film. Cuisine au beurre. Alors, déjà, question bête mais néanmoins nécessaire, l'as-tu déjà vu? Non. Bon. Mesdames et messieurs, on vous souhaite une bonne soirée, on vous remercie d'être venus dans notre live. Oui, bien sûr que je l'ai vu, inévitablement, forcément, avec deux mondes. Mais d'après ce que tu m'avais dit lors d'une conversation en off, il y avait bien 2000 ans que tu l'avais vu la dernière fois. Non, tu sais, ça c'est mon côté marseillais. Non, il n'y a pas si longtemps que ça. Il doit y avoir, on va dire, 3-4 mois. Ah oui, donc ça va. C'est pas comme si tu m'avais dit, il doit y avoir 3-4 ans, parce que déjà, là, ça ferait pas mal. Non. Non, je l'ai vu, il y a à peu près 3-4 ans. Peut-être un peu moins, d'ailleurs. En fait, je l'ai vu lorsque nous avons préparé le live sur Bourville. J'ai dû le voir peut-être une semaine ou deux avant. D'accord. Donc, c'est récent quand même, encore. Ah, bah oui, oui. Oui, c'est récent. C'est quoi, il y a deux mois, pas plus, qu'on l'a fait. Oui, à peu près, oui. Dans ces eaux-là, on va dire. dans ces eaux-là. Mais. Dans ces Émile, alors. Dans ces Émile. Bah. Ok. Je sens que la soirée va être compliquée. Je sais pas, j'ai cru que tu allais me reprendre sur un autre truc. Ouais, mais alors, c'est Émile et Image, tu vois. Mais oui, non, mais même pas, tu vois, non, voilà. Je ne dis plus rien. Parce que si je commence à dire des choses, je vais raconter que des oivories. Donc, il vaut mieux que je me taise. Mais c'est ça aussi le sel de cette émission. Ça, c'est vrai. Mais il faut avoir le poivre avec. Parce que qui d'ordine? Je t'avais prévenu. Ah ouais, c'est de ma faute. T'avais prévenu. Alors, oui, dis-moi. Ouais, dis-moi. Reprenons nos moutons. Pourrais-tu nous... Non, c'est pas la chèvre de Monsieur Seguin non plus. Pourrais-tu nous pitcher le film? Ou je peux le faire si tu le souhaites. Non, comme tu veux, je vais te faire ça. Oh, c'est très simple en fait. Hein. Ah oui. C'est un restaurant tenu par le personnage de Bourville avec son épouse. Sauf que arrive quelqu'un qu'on croit mort et qui est en fait le premier mari de cette dame. Et à l'époque, parce qu'ils sont tous les deux, bien entendu, de cuisiniers hors pair, sauf que, il n'est pas tout à fait au beurre, alors que l'autre l'est. Je laisse le soin, au cours des images, d'expliquer qui est au beurre et qui ne l'est pas. Même si, bon, d'un côté Fernandel ou de Bourville, oui, ça, voilà. ça devrait déjà vous donner une petite indication. Bah d'ailleurs, du coup, puisque tu parles
de ce cher Fernandel. On va commencer par lui pour présenter un peu le casting du film. Alors, Fernandel, comment le présenter? Déjà par son vrai nom, peut-être. Par son vrai nom, Fernand-Joseph Désiré Contandin. Effectivement, déjà. Et non, il ne s'appelait pas Fernandel. Ben, c'est un petit peu comme Bourville. Hein. Bourville ne s'appelle pas Bourville. Non plus, voilà. C'est étrange. Hein. Donc, il était né le 8 mai 1903 à Marseille et mort donc le 26 février 71 à Paris 16e. Donc, à l'âge de 67 ans. Il n'a pas vécu bien vieux, lui, non plus. Hein. Non, c'est vrai, quand on regarde... Ils se sont suivis de peu, en fait, si on regarde. Ah ben, oui, l'année d'avant, Bourville partait, sauf que Bourville était quand même plus jeune que Fernandel. Hein. Et de près de 15 ans, hein, si mes souvenirs sont bons. Ouais, je crois bien. Ouais. Mais donc, quand tu penses à Fernandel, toi, quels sont les films qui te viennent? Non, mais pareil, pas besoin de me dire la filmographie. Le monsieur, il a tellement une filmographie de fou. Alors, on va dire les films qui pop. Moi, je sais pas. Tout de suite, je pense La Vache et le Prisonnier et Don Camillo. Me demande pas lequel, là, on va dire la saga des Don Camillo. Voilà. Je comprends. Mais également alors, cette cuisine au beurre. Voilà. Oui, bien sûr. Mais alors, moi, le premier enfin, qui me vient à l'esprit, c'est le Spoonz. Ah oui, j'aurais pu le citer parce aussi. Que le Spoonz, déjà, qui a été tourné à Éour, le quartier de Marseille que je connais plutôt bien. Et le Spoonz, alors je précise, hein, le Spoonz, pas l'espèce de. Le truc qu'ils ont fait après avec un certain. D'ailleurs, je ne sais plus le nom. D'ailleurs, je veux oublier le nom. Voilà, c'est une espèce de remake absolument pourri, complet. Et si vous n'avez pas vu le Spoonz, mais juste une scène, tout condamné à mort doit avoir la tête tranchée. Plusieurs versions, c'est juste hallucinant. Ah ouais. Le monsieur avait un certain talent. On est au-delà du talent, même si tu veux mon avis. Hein. Avec cette séquence-là. Et puis, il faut quand même penser aussi à d'autres. Moi, je dirais l'Auberge Rouge. Ah oui, effectivement. En effet. Et non, on ne parle pas du remake avec. Blasco et l'autre abruti là. Cher viewer, je sens qu'on va perdre Maestro Patrick parce que je pense que je vais le fâcher dans deux secondes. Mais puisque tu parles de remake ignoble et immonde, des trucs qui n'auraient jamais dû exister, j'ai découvert en préparant cette émission que La Cuisine au beurre avait eu droit à son remake en 2015. Une espèce de bouse qui s'appelle Pension complète, réalisée par Florian Emilio Siri, avec Dubosc et Lanvin. Bon, eh bien écoutez, comment vous dire, la soirée a été passionnante, je suis vraiment content d'avoir été dans ce live. Mais j'en savais rien, Patrick, je te jure que j'en savais rien, et quand j'ai vu ça, je dis mais non. Alors déjà, vous osez faire un remake d'un film qui pour moi est intouchable, et n'aurait jamais dû être touché. Mais en plus, avec Dubosc et Lanvin, mais à quel moment il y a un producteur qui s'est dit « Ouais, non, mais Dubosc... » Parce que je crois qu'en plus, Dubosc, il reprend le rôle tenu par Bourville et Lanvin dans son... Et là, tu te dis « Non, mais les gars... » Lanvin, attention, c'est un acteur que j'aime bien dans certains rôles et tout, il n'y a pas de problème. Mais Dubosc... À quel moment vous êtes dit que Dubosc, c'était une bonne idée pour reprendre le rôle tenu par Bourville, quoi. Non, je comprends pas. Mais tu sais, Olivier, c'est... Alors, je reparle un petit peu de ce que j'ai dit. L'Auberge Rouge, le remake avec Balasco, si je ne m'abuse, je crois qu'il y a Junio et dedans, il y a Clavier. Tu te dis, c'est une escroquerie, non? Bah oui. Complètement, on est tout à fait d'accord. Et moi, je ne savais pas. Tu vois, pour l'Auberge Rouge, je savais. Pour le Spoonz, malheureusement, je savais. Mais pour la cuisine au beurre, je n'étais pas du tout au courant. Parce que c'est le genre de truc qui m'est passé très haut. Le Spoonz, le remake est avec Smain. Comment veux-tu que Smain le quart de la moitié du tiers du microbe, du micron, de tout ce que tu veux, qui se passe sous la semelle de monsieur Fernandel. Mais après, comme tu le dis, il y a des
Il y a des producteurs qui... non, en fait, je ne comprends même pas. Je sais pas, mais bon. Non, mais là, c'est digne de la quatrième dimension, quoi. C'est... On a basculé dans un monde parallèle, tu vois. Mais si tu veux un autre exemple, puisqu'on y est, si je te dis Gérard Jugnot. Eh bien, sache qu'il y a eu un téléfilm Ali Baba et les 40 voleurs avec Gérard Jugnot. Ben si. Fais-moi penser à la fin du live à me jeter par la fenêtre de chez moi. Bon, comme je dis toujours, je suis au rez-de-chaussée, donc il ne m'arriverait pas grand-chose, mais quand même. Ouais. Non, mais c'est pour te donner un exemple. Voilà, donc Fernandel, encore un petit acteur, hein, s'il en est. Non, mais bien sûr, c'est humoristique et sarcastique, parce que bon, quand on sait qu'en fait, ça a été... Enfin, il est encore considéré à l'heure actuelle, d'ailleurs, comme un champion du box-office, hein. Il est quand même parvenu au cours de sa longue carrière à attirer plus de 200 millions de spectateurs dans les salles. Et on parle, corrige-moi si je me trompe, mais on parle de la France des années 50, 60, et même avant, des années 40 aussi, à un moment où la France, il n'y avait pas 70 millions d'habitants comme aujourd'hui. Le mec a attiré près de 200 millions de téléspectateurs en salle, quoi. Mais ce sont des gens, et puis ce sont, tu sais, Olivier, ce sont des gens qui étaient, entre parenthèses, complets. Bonsoir, maître Kevin. Je suis à l'avant-première Spy Family. Bah écoute, très bonne avant-première. En tout cas, c'est sympa de passer faire un coup de soutien. Super sympa de ta part, merci maître Kevin. On aura au moins vu un visage ami ce soir. Exactement. On ne peut rien dire, on ne sait jamais. Il faut savoir qu'à l'époque, ces gens-là étaient complets. Complets dans le sens où ils venaient souvent du music hall. Donc, ils savaient tout faire, ou presque. Ils savaient faire rire, ils savaient chanter, ils savaient... Ils savaient danser. Ouais, non, mais ils avaient ce talent. D'ailleurs, on en parlera avec Bourville juste après, mais ce sont des gens qui savaient pas tout faire, mais presque, en tout cas pour ces deux-là. Donc, inévitablement, après, tu vas mettre quoi? Tu vas mettre les rigolos. Enfin, je suis désolé, hein, vous allez encore dire, ceux qui pourraient regarder le live en pensant que je le fais exprès, que je tape sur les gens d'aujourd'hui, mais... Comment voulez-vous arriver qu'un Franck Dubosc, quand bien même il prendrait des cours avec Al Pacino, Robert De Niro et tout ce qu'il veut, comment voulez-vous qu'il arrive à la cheville de ce monsieur? Non, jamais il aura le talent. Donc Dubosc, c'est pas... Non, le rôle de Fernandel, d'après ce que j'ai compris, est repris par Gérard Lanvin, mais quand bien même, quoi. Mais c'est pareil, c'est le même tarif, c'est le même... Lanvin est quand même bien plus talentueux pour moi, hein, que Dubosc. D'accord, hein. Mais... Après, plus que Fernandel? Non, je suis en sérieux. Ah non, absolument pas. Mais d'ailleurs, j'ai été déçu ça m'a déçu de lui, parce que je pense qu'en tant qu'acteur, si tu te respectes, tu vois un truc comme ça, au bout d'un moment, tu te dis, mais attends, cette histoire, je la connais. Et là, l'autre, il te dit, tout fier, « Ah oui, on va faire le remake de... » Ah ben non, en fait, je ne veux pas signer avec vous. Tu évites de te salir et de salir ta carrière, en fait. Tu vois? Je pense que ça l'aurait grandi s'il était dans la fiche Wikipédia en marquant « Gérard Lanvin s'est vu proposer le rôle, mais a préféré le refuser, tu vois ?» Et je ne sais pas, c'est peut-être Kev Adams qui l'aurait fait auprès de Franck Dubosc. Mais ils auraient pu commencer leur longue collaboration, plutôt. Le système est le même, enfin voilà, pour l'Auberge Rouge. Comment des gens, voilà, qu'on disait avoir du talent à une époque, puisque venant, si je ne m'abuse, du Splendide, ont pu se compromettre dans un remake de l'Auberge Rouge? Mais tu te dis, c'est pas possible, il y a une blague. Quelque part, c'est une blague. Eh ben non. C'est une bonne question. Je te propose à présent de passer à la seconde tête d'affiche de ce film, qui donc, tout le monde l'aura reconnu, hein, Bourville. Ah non plus, ce n'est pas son vrai nom. C'était André Rimbourg, son vrai nom. Exactement. D'ailleurs, ça me permet d'amener une petite anecdote qui est quand même assez sympathique. Excuse-moi. Coucou, ô grande Elena, venue d'une autre galaxie, la galaxie du multiverse. Bah oui, forcément, notre sorcière arcanique préférée. Obligatoire.
Excuse-moi si je t'ai dérangé. Oui, du coup, je sais. Ah si, voilà. Non, parce qu'en fait, ce que je voulais, ce que j'ai noté et ce que je trouve sympa, c'est qu'en fait, leurs personnages, ils ont leur vrai prénom dans le film. C'est-à-dire Fernandel, son personnage, c'est Fernand Jouvin, et Bourvil, c'est André Colombet. Donc, ils ont tous les deux leur vrai prénom. C'est voilà, c'est anecdotique, mais moi, c'est le genre de petite anecdote voilà, qui me plaît. Puis bon, il est vrai que pour moi qui adore les anecdotes, voilà, c'est quand même un film, comprenez, qui est sorti en 63, hein, donc il y a, ben, y a plus de 60 ans. Hein. Ça va faire bientôt, ça fera en décembre 61 ans, si j'ai bien fait mes calculs, hein, tu me corriges. Ça se pourrait Donc bien, oui. voilà, pour trouver des anecdotes sur la toile, c'est un petit poil compliqué. Pour dire, hein, le film sur Allociné, il n'a même pas d'onglet secret de tournage. Donc, alors cela dit, j'ai quand même une petite anecdote après que je livrerai. Excuse-moi. Oui. Alors, Ah, Matt. bonsoir, Matt. Alors, voilà. Bonsoir, la gars. Merci pour vos lives. Ils sont... Ah, ben, c'est très gentil. Merci beaucoup, Ben, Matt. merci. Ah ouais, ça fait Merci, plaisir. merci beaucoup. On essaie de pas faire trop de bêtises. Ouais, bah Si alors tu ça, c'est veux pas mon avis, garanti c'est parce pas que ce soir, c'est possible. moi qui suis aux manettes, hein, donc. Non, non, mais justement, inévitablement, ça sera forcément mieux de toute façon. enfin bon, permets-moi d'en Oh, douter. mais si. Alors après, pareil, Bourvil. Alors tu vois, Bourvil, le truc, c'est que comme je me disais, est-ce que ça vaut le coup qu'on y aille, enfin en tout cas qu'on en dise autant que sur Fernandel, étant donné que nous avons déjà fait un live spécial Bourvil où on en a dit énormément sur le personnage. Moi, j'ai Je plutôt envie voudrais. de dire, si vous avez envie d'en savoir plus, on peut vous renvoyer aux émissions précédentes qu'on a fait. Mais je t'en prie, si tu as quelque chose à Oui, dire, ben, exprime-toi. préciser juste un peu que ce monsieur. Alors attention, attention, même à moi, ça ne me parle pas parce que je n'étais pas né. Et pourtant, j'ai vu la création des dinosaures, donc vous imaginez. Voilà. Ah, d'ailleurs, on a Mais. entendu le cri du dinosaure là. Ah bon? À ce Ah, point? j'espère que ça ne sera pas entendu dans Ah le ben live. je. Moi, ça m'a D'accord. vrillé l'oreille et j'ai peur Ah que ben je si suis les viewers désolé, je sais pas d'où ils ont c'est venu entendu alors. ça. Non, non, Bon. mais c'est un petit Larsen comme ça. D'accord, mais c'est bien, c'est intéressant ça. Oui, alors donc, comme je voulais le dire, donc j'étais Pardon. pas du tout né. Et puis, par contre, c'est vrai que à une époque, dans les années 50, il y a un monsieur qui cartonnait. C'était la superstar à l'époque en France. Et pas qu'en France, mais surtout en France. Et ce monsieur, c'était Luis Mariano. Alors, ça ne dira rien Oui. à quasiment 99,9% des gens, mais croyez-moi, c'était une star à l'époque, vraiment. Et je voulais dire par là que Bourvil a fait pas mal d'opérettes. Oui, alors qu'est-ce qu'une opérette? Eh bien, une opérette, c'est une version public ou du moins populaire, pardon, excusez-moi, populaire d'un opéra. Un opéra, ce sont des grandes voix, les opérettes, ce sont de belles voix. Voilà. Ce sont deux choses un petit peu différentes. Mais les opérettes, à une époque, donc dans les années 50, cartonnaient comme ce n'est pas permis. Donc il y avait Luis Mariano, il y en avait d'autres comme ça. Et c'est vrai que Bourvil a joué trois ou quatre fois avec. C'était le cri du cœur de l'inconscience de. Ben un peu Ah, sûrement. parce qu'en fait, Parce elle que me disait qu'elle l'avait entendu aussi, le fameux bruit Larsen, tu vois. d'accord, mais ben, je suis Elle se dit, je me désolé, sens hein, je moins ne sais pas seul. d'où ça vient. Ah non, non, mais on ne J'ai dit pas pas que c'est ta faute, compris. on dit juste qu'on a Non, non, entendu mais un je. truc de Mais le. fou. Ouais, non, mais je ne sais pas. Ben, enfin bon. Fallait bien que ça arrive un jour, ben c'est arrivé, en Oui. espérant que ça sera que voilà, le dernier. Et donc, je disais que ouais, Bourvil a tourné deux ou trois fois avec Luis Mariano dans les opérettes, ce qui prouve, comme Fernandel d'ailleurs, que ces gens-là avaient plusieurs arcs. Plusieurs talents à leur arc, plusieurs cordes à Voilà, leurs arcs. voilà, exactement, je cherchais le terme exact. Et c'est vrai que ce sont des gens qui étaient capables de passer de l'opérette, de faire. Entre parenthèses, ce qu'on pourrait appeler du one-man show, puisqu'il en, hein, Bourvil en a fait, Oui, on mais le sait au justement, le début. principe du music-hall, tu en as, enfin, tu l'as, je crois que tu l'as évoqué, que tu disais que c'était Ouais. des artistes de music-hall avant tout. Ouais. Le principe du music-hall, c'est ça, fallait être un artiste complet, sinon. Exactement, Et exactement. après, Et c'est vrai que c'est. même ce côté musical de sa carrière, comme on l'avait évoqué à Bourvil, mais voilà, c'est bien parce que vu que tu avais apparemment quelques petits trucs à rajouter, parce que, en fait, moi, c'est surtout parce que personnellement, j'avais plus rien à dire sur le monsieur, tu vois.
Pour moi, on avait fait le tour, mais... C'est difficile, c'est vrai que... Mais il a participé à pas mal d'opérettes. Hein. Chose qu'on ne connaît pas forcément de lui, parce que bon, de toute façon, c'est une autre génération, hein, inévitablement. Mais puis bon, il n'y a pas grand-chose qui nous soit parvenu, même de toute sa période musicale, où il faisait... Il avait un pseudo en L, Andrel, oui, je crois qu'il se faisait Andrel, appeler. Oui, oui, puisque il était mais ça c'est pareil, à part 2-3 images sur ina.fr, parce que bon, voilà, c'est quand même l'Institut National Audiovisuel, mais il reste pas beaucoup de traces, parce qu'à l'époque très peu de ce genre de spectacle était filmé finalement. Alors, vu comment ça coûtait cher. Oui, bien sûr. Oui, après il y a eu peut-être des versions radiophoniques. Alors, filmé, non, mais par contre, alors là, c'est vraiment pour les vrais collectionneurs, hein, parce que je me... Oui, des versions audio, quoi. Mais oui, ouais, il y a pas mal de disques qui sont sortis à l'époque, justement, où ils tiraient les opérettes, et après, ils en faisaient des disques, hein, ça a été le cas pour... En 78 tours. Non, en 33 tours. Non, mais je plaisante, hein. Parce que chaque fois que moi, dans ma jeunesse, on voulait parler des disques vieux, vu que nous, on avait encore des vinyles, on disait les 78 tours parce que c'était vraiment ancien, quoi. Ah bah sauf qu'aujourd'hui, quand tu dis des 33, des 45 et des 78, tu passes pour aussi vieux qu'à l'époque, nous, les gens qui nous parlaient de 78 tours. Tu vois, un petit peu comme si on expliquait que qu'on écoutait de la musique sur un Walkman avec une cassette audio. La cassette audio, aujourd'hui, les gens te disent « Hein, c'est quoi une cassette audio ?» Oh, ça serait trop long à expliquer. Et même pire que ça, allez, tiens, je me lance, un magnétophone à bande. Eh oui. Que voulez-vous ? Ça ne nous rajeunit pas tout ça. Oh que non ! Et d'ailleurs, ce qui ne va pas nous rajeunir, c'est quand on va passer au monsieur d'ensuite, parce que là aussi, je vais avoir grand besoin de ton aide, puisque je vais présenter le réalisateur du film, qui est un monsieur qui se nomme Gilles Grangier. Gilles Grangier. Et je dois t'avouer que, à part le CAF se rebiffe, je ne connais rien de sa filmo. Mais vraiment rien. Alors après, tu vas me dire, ouh, la honte, je vais me flageller, t'inquiète pas. Mais vraiment, moi, je suis perdu pour parler. Et pourtant, voilà, Dieu sait que tu regardes, tu fais des fichiers, défiler sa fiche Wikipédia, je me suis mélangé les pinceaux. Parce que déficher sa file Wikipédia, ça ne va rien dire. Et là, tu vois que, waouh, ah ouais, quand même. Et puis, non seulement il a une filmo de dingue, mais en plus, à la fin de sa fiche Wikipédia, il y a un récapitulatif de ses films qui ont connu le plus de succès. Et je vois 53, 1 700 000 entrées, 54, 3 millions d'entrées, encore en 54, 2 800 000 entrées. Enfin bon, et c'est ça jusqu'au milieu des années 60, quoi. Donc, le mec a quand même été, lui aussi, un sacré champion du box-office, en tout cas en tant que réalisateur, entre les années, on va dire, 50 et 60, quoi. C'est dingue. Mais voilà, 50-60. Donc, le problème, c'est que, à la génération d'aujourd'hui, sachant que son dernier film date quand même de 75, et en plus, c'est un film roumain co-réalisé avec un autre réalisateur. Donc, le dernier film, on va dire, de sa carrière français, c'est en 74. Donc, tu vois, j'étais même pas encore dans les valseuses à papa. Mais il a fait, alors, je te donne comme ça, hein, des titres. Après, j'essaie de m'en rappeler parce que tu sais, tu l'as. Oui. Voilà, hein, je suis un petit peu comme on est, hein, voilà. Il a travaillé quand même avec Gabin. Le CAF se rebiffe, par exemple. Je l'ai cité, c'est le seul film de lui que je connaissais en dehors de la Clean Le Gentleman d'Epson. Ah, je ne connais pas. Tu vois. Ah, ben avec Gabin, ça fait partie. Non, mais moi, je te dis, à part le CAF se rebiffe, parce qu'il y a Gabin et il y a Blié aussi, hein, si je ne me trompe pas dedans. Mais sinon, ouais. Oui, c'est possible. Et puis, bien sûr, maintenant, la cuisine au beurre, mais je n'avais pas fait le rapprochement, tu vois, à l'époque, quand j'avais découvert le CAF se rebiffe. J'avais pas fait le rapport avec la cuisine au beurre, quoi. D'accord. Et puis il y en a d'autres. Il y a un autre film avec Gabin, c'est Maigret voit rouge. Ça c'est bon, pas besoin de dire quel est le personnage. Hein, je crois que j'ai tout dit.
En parlant de Maigret, ça me paraît difficile. Ah oui, c'est de Georges Simenon, c'est ça? Ben, un petit peu, peut-être. Voilà, enfin, on parle de Maigret. Oui, mais là, tu Il y vois, c'est a. pareil. Moi, comme je t'avais dit une fois, le Maigret qui m'a vraiment marqué, c'est celui qui passait à la télévision, là, avec. Ah mince. Avant Crémer, bien avant. Ah, moi, c'est Jean Richard. Voilà, Jean Richard. Mais c'est D'accord. pour ça que je te Oui, dis mais bien avant à la Crémer. télé, à la télé. Là, Oui, c'était un à la film. télé. Ah oui, voilà, C'était un mais moi, je film. n'ai pas connu Maigret en film. J'ai connu Si, si, Maigret il qu'en ben, y a, série. y en a eu. Et donc, il y Allez, a je te eu, crois. effectivement Gabin, il y a eu Les Vieux de la Vieille. Fabuleux ce film, toujours avec Gabin, si je ne m'abuse, mais là, je peux dire une bêtise. Et il y a très, très, très longtemps que je n'ai pas vu Les Vieux de la Vieille. Qu'est-ce qu'il y a? Pff, je ne sais plus, moi. Archimède, je crois, Archimède, le clochard aussi. Ah, le problème, c'est que comme je t'ai dit, là, je me repose entièrement sur tes connaissances, je ne peux pas t'aider parce que c'est vrai que Ah, mais le monsieur a une. mais je me suis rendu compte en préparant l'émission qu'effectivement, il a une filmographie de dingue. En plus, pour le coup, on peut dire que c'est un des grands réalisateurs du cinéma français parce que quand tu vois le nombre de gens qu'il a fait déplacer en salle, surtout aux époques où il a connu ses plus grands succès, on parle quand même des années 50-60, le cinéma, je pense qu'à l'époque, n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, quoi. Non. Et les gens, Non, mais. voilà, il y avait moins de salles, il y avait moins de gens qui allaient au cinéma, arriver à faire se déplacer autant de. Enfin, moi, je suis resté bête quand j'ai vu que le monsieur, voilà, on peut dire son premier gros succès box-office, c'est un film qui s'appelle La Vierge du Rhin, qui a fait plus d'1 700 000 entrées, c'était en 53. En 53, Oui. j'expliquerai juste que c'était l'année de naissance de ma maman. Et Tu vois, puis, c'est. il y avait justement, mais un an plus tard. Je crois, hein, j'espère ne pas dire de bêtises, mais je crois qu'un an plus tard, avec toujours, alors avec Gabin encore, enfin encore, je crois que c'est un des premiers films qu'il a fait avec Gabin, c'est Oui, Gasoil. Gasoil. Ouais. Ah ben là, il a Gasoil. en 54, ouais, il a cartonné, il a fait plus de 3 millions d'entrées. Non, 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 mais ça, Et alors, tout 3 ça, ce millions sont des d'entrées en films. 54, non mais c'est à mettre en perspective. Même aujourd'hui, un film qui fait 3 millions d'entrées, les producteurs, ils sont contents, tu vois. Bah oui. Oui, bien Là, sûr. Mais il a beaucoup. on parle d'un film sorti en 54, quoi. C'est waouh. C'est un film qui est Ah sorti il y a ben. 70 ans. Il y a 70 ans. Et alors, si je ne Rendez-vous m'abuse, compte, 3 millions d'entrées, quoi. si je ne m'abuse, je crois que avant 60, je crois qu'il a fait un film aussi avec Lino Ventura. 3 jours à vivre, je crois. Bah attends, je vais voir ça. Mais je peux dire une bêtise, Avant hein, les années Gabin. 60, tu dis? Ouais, je crois Ah, mais qu'il avait fait attends, Space non, mais le 50, problème, Space c'est que dans ce. Non, mais 57. le problème, c'est qu'il a aussi joué en tant qu'acteur. Donc là, j'étais sur sa Ah filmo acteur, oui. Ah pardon. bah, bien sûr, il a été acteur aussi, le monsieur. Bon, acteur, scénariste. Pff, il Tu a. m'as dit le titre, s'il te plaît. 3 jours à vivre, je crois. Ouais, Avec 58. Daniel Gélin Daniel et. Gélin, Jeanne Moreau et Lino Ventura. Oh là Hein, là. c'est ça. Waouh! Et là C'est aussi, ça. le casting. Et en plus, sachant que co-scénarisé par Audiard. Il a écrit le Ah oui. scénario, mais à quatre mains, enfin même plus que quatre mains d'ailleurs, puisqu'il y a aussi deux autres personnes créditées au scénario. Ah non, mais c'est de toute façon, le monsieur a une filmo Ah ouais, qui très ferait pas impressionnante. Hein. lire, qui ferait pas lire d'envie, je vais te dire, le moindre réalisateur aujourd'hui. Hein. Faut être réaliste, le monsieur a. On se rend. Tu sais, ce sont des gens, bien sûr, que c'était les années 50. On va dire de 50 à 65, 70, ces gens-là cumulaient les films. Ils les cumulaient, Oui. enfin, les succès, je parle. Oui. Ils Ben cumulaient là, les succès. dans la liste, ils n'ont pas mis tous ces films. Hein. Il y a vraiment que les films qui ont fait plus d'un million. Alors, je crois que celui qui a le moins d'entrées dans. Voilà, c'est 3 jours à vivre, c'est 1 million d'entrées en 57. Donc, je pense que c'est tous les films qui ont fait plus d'un million d'entrées qui sont là. Mais il y en a quand même au moins une quinzaine. Plus même. Plus. Là, on est à 15, 19 films qui ont fait plus d'un million d'entrées. Je m'excuse, il y a eu une coupure. Je suis désolé. Ah bon? Ouais. Non, j'ai. Bah si. Non, non, mais je t'assure. Hein. J'ai disparu pendant un instant et puis je suis. Ah oui, toi, je pensais une coupure au niveau Non, du live, non, tu non, m'as non, fait non. peur. Moi, non, 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 non. J'ai eu une coupure. J'ai eu malheureusement D'accord. une coupure et
Je suis de retour, je suis désolé. Je sens une coupure mercurochrome et puis voilà quoi. Ben, c'est ce que j'ai le fait, mais apparemment, des héros, hein. Ouais, mais apparemment ça n'a pas bien marché, mais enfin je suis revenu, c'est déjà ça. Ouais, mais t'as disparu quelques secondes parce que je vois que Mickaël nous dit appuie Patrick, retour Patrick, donc ça va. Bon, ben, voilà, je m'en suis rendu compte quand même au bout d'un moment si t'avais disparu plus de 5 secondes. Hein. Enfin, en tout cas, j'aime à penser que je m'en serais rendu compte, sinon c'est grave, c'est qu'il y a un problème. Non, mais tu aurais pu ne pas, je te dis, hein, c'est pas non plus. Alors, je vais dire une bêtise. Alors, une fois encore, pardonnez-moi parce que j'ai la. Il faut pardonner mon grand âge, comme on dit. Qu'on le veuille ou non. Hein. Ben oui. Et je suis rentré dans le troisième âge, moi. Je crois qu'il a Poisson d'avril avec Bourvil. Alors, je vais te dire ça. Oui, en 54, 2 800 000 entrées. Il y avait effectivement Annie Cordy, Pierre Dux, voilà, Denise Gray. Denise Gray, non. Bah oui. La grand-mère de Vic dans La Boum. Oui. La petite mamie sympa. Elle aussi. Ouais, elle a eu une carrière avant. Non, mais Denise Gray, elle aussi, ne regarde pas sa filmo parce que sinon tu pleures. Hein. Ah, surtout qu'elle s'est éteinte à presque 100 ans, quoi. Ah non, 99 mais c'est une ans. C'est une fimo, là voilà. Aussi. C'est... Enfin, voilà, il vaut mieux pas en parler. Ouais, mais moi, voilà, tu vois, je me souviens d'elle comme la grand-mère de Vic dans La Boum. Parce que oui, c'est générationnel. Bah je me souviens d'un acteur ou d'une actrice. Bien quoi. Sûr. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, moi, je suis impressionné parce que voilà quelqu'un qui a eu une carrière de fou, comme tu dis, et dont personne ne parle. C'est dingue, quoi. Oui. Je suis d'accord avec toi. Et en plus, je ne sais pas si tu seras aussi d'accord avec moi. Moi, je trouve qu'il a un petit côté Scorsese. C'est pour ça que j'ai mis cette photo. Je l'ai trouvé vachement bien sur cette photo et je trouve qu'il y a un petit côté Scorsese quand même, tu vois. Oui. Ouais. Mais grand monsieur. Grand, très grand monsieur. Le problème, on en revient toujours, hein, c'est que c'était une. Je pense pour moi, les années 50 à 75, on va dire que c'était. C'était vraiment les années prolifiques du cinéma français. Alors, attention, dans les années 40, on a eu aussi de très grands films. Oui. On va dire de 40, allez, on va dire de 40 à 75. Et puis, progressivement, alors, il y a eu des comédies, parce que je sais, j'en entends certains qui vont commencer à hurler. Mais l'âge d'or, on va dire l'âge d'or, c'était ouais, vraiment dans ces années-là, quoi. Ben oui. Mais c'est pour ça que je voulais le mettre, parce que même si je le connaissais pas, je me doutais que toi, tu devais le connaître un peu mieux que moi. Et je me suis dit, quand j'ai vu sa filmo sur Wikipédia, je me suis dit, on peut pas ne pas le mettre. C'est pas parce que moi, je le connais pas, il a quand même réalisé le film, faut le mettre à l'honneur. Puis surtout, quand tu vois la carrière qu'il a eue, quoi. Parce que bon. Non, j'en ai vu. C'est peut-être pas. Ouais, mais c'est peut-être pas de mal avec qu'on reparlera d'un film de lui dans Autour du film. Donc je me suis dit, voilà, ça, c'est toujours bien de remettre des gens comme ça sur le devant de la scène. Il n'y a pas que les acteurs emblématiques comme des Fernandel, des Bourvil, des Gabin, des Delon, des Belmondo. Il y avait aussi de grands réalisateurs, mais qui aujourd'hui, je suis sûr, hein, tu fais un micro-trottoir sur 100 personnes, tu en as 99 qui vont te dire Gilles Granger. Ah si, il n'est pas dans Quotidien aux côtés de Barthès ou dans TPMP peut-être. Et là, tu dis, mais non, les gars, mais non. Non. Ben oui. Bon, je sais bien. Encore quelque chose à rajouter sur ce grand monsieur où on peut passer à. Non, c'est bien. Ouais, non, il faudrait. Non, parce que là aussi, hein, la suite du casting, je vais avoir besoin de ton aide. allez-y, foncez, essayez de regarder. Parce que le monsieur a fait vraiment des super films. Je vous dis une fois encore, hein, regardez par exemple Le Gentleman d'Epson avec Gabin, vous passerez un très très bon moment. Oui, le film est en noir et blanc. Oui, je sais que c'est des vieux films. Mais parfois, il vaut mieux un vieux film en noir et blanc qu'un film récent en couleur absolument. En couleur et un bousin innommable. Voilà. Oui, voilà, bah oui. Donc. Parce que j'allais rebondir sur ce que tu disais. J'allais dire le film de ce soir, vous verrez les captures d'écran. Alors, je crois que, corrige-moi si je me trompe, je crois qu'il y a une version colorisée. Hein. Oui. Mais moi, j'ai tellement été refroidi par la version colorisée du Trou Normand, là, avec Bourvil, justement, que j'ai dit, ah non, moi, je veux le voir en. Parce que les versions. Mais tu vois,
On dit qu'aujourd'hui, ils ont cette manie de vouloir tout rebooter, reméquer et tout ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu une période qui s'est étendue, on va dire, des années 80, milieu des années 80, au milieu des années 90, où ils se sont mis à coloriser plein de films et des fois avec des résultats totalement inégaux, quoi. Parce qu'autant, tu prends un film comme, je crois que c'est le jour le plus long. Non, il avait été tourné en couleur, le jour le plus long. Noir et blanc. Je trouve que la colorisation du jour le plus long, elle est de très bonne facture, mais parce que les mecs ont mis les moyens. Je sais pas, je l'ai toujours vu en noir et blanc, donc je peux pas te parler. Mais en attendant, voilà, il y a certains films, mais parce qu'il y avait une frénésie. Moi, je me souviens dans ma jeunesse. Alors à l'époque, on n'avait pas les moyens d'aujourd'hui, dispendieux, internet, machin, pour se renseigner. Mais je sais qu'à chaque fois, ça faisait quand même un petit peu, parce que forcément, sur les chaînes, quand ils te reprogrammaient le film, ils te disaient pour la première fois en couleur. Et il y a eu une espèce de frénésie. Enfin, moi, j'ai eu cette impression-là. Après, c'est peut-être une impression erronée, tu vois. Mais j'ai eu l'impression que vraiment, il y avait une frénésie de recoloriser plein de trucs avec Fernandel, avec Gabin, tout ça. Et des fois, ben, comme je te dis, avec des résultats des fois bien, des fois passables et des fois totalement horribles, quoi. Donc, c'est pour ça que ouais, le film de ce soir sera en noir et blanc. Mais moi, je dis quand un film, il est bien, on s'en fout du noir et blanc. On s'en fout. Les gens qui sont réfractaires au noir et blanc, j'ai envie de leur dire, vous avez vu The Artist? Ils vont me dire, ben bien sûr, vous avez aimé The Artist? Ben bien sûr, ben ouais, mais t'as regardé un film qui est en noir et blanc et qui est muet. Donc tu peux te fendre de regarder un film noir et blanc qui est parlant, quoi. Voilà. Ben, bien sûr. Forcément. Alors qu'en penses-tu? On passe à la suite du casting. Mais pas de souci. Il n'y a plus que une actrice et un acteur à présenter. Non, donc, eh ben, l'actrice. Il va y avoir un autre acteur après derrière que tu as oublié, mais c'est normal. C'est normal que tu n'en aies pas parlé parce que là, je suis persuadé. Moi, il ne m'évoque pas. Tu sais, j'ai fait par rapport à mon ressenti, Patrick. Non, mais c'est normal. Déjà, si j'avais fait le mec vraiment que de ma génération, j'aurais mis Bourvil Fernandel et le dernier qu'on verra avec celle que moi j'avais préparée. Tu vois, un peu, quoi. Donc, je me suis dit quand même, faut rendre hommage au réalisateur et à celle qui est quand même le premier rôle féminin dans ce film. Mm-hmm. Et donc, la voici. Peux-tu nous dire le nom de cette dame? Aucune idée. C'est Claire Maurier. Voilà. Non, mais il faut quand même un peu. La seule de tous ceux que moi j'avais choisi de présenter, mais je pense que celui que toi tu vas présenter et que j'ai oublié, la seule qui soit encore en vie à l'heure actuelle. Eh oui, elle a 95 ans et elle est toujours de ce monde. Elle est née en 1929. Ça laisse songeur. Alors, si je te dis que, alors, il y a au moins un film avec elle que tu as vu. Mais oui, je sais, parce que j'ai regardé, j'ai étudié quand même ça. Mais forcément, là, dans la cuisine au beurre, c'est quoi? Elle a même pas 40 balais, quoi. Elle a 35 ans. Et moi, quand je l'ai vue, c'était une mamie. Oui, je sais de quelle tu vas me parler. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Ah non. Ah mais j'en étais sûr. Bah sinon tu peux me citer La Cage aux Folles. Non plus. Ah bon? Ah il y a un film avec elle que tu as vu. J'en suis persuadé. Voilà, ouais, mais que j'ai pas dû, vu, j'ai passé à côté. Allez, si je te dis qu'il y a plusieurs films. Si je te dis que c'est tiré d'une œuvre littéraire. Si je te dis que dedans il y a Robert Hossein. Ah Angélique. Eh oui. Bah, je suis passé à côté de elle, en tout cas, dans le film, quoi. Mais tu l'as vu, Angélique? Je pense que. Ah, je les ai tous vus. Ah, mais je les ai tous. Et puis plusieurs fois même. Parce qu'avec maman, dès que c'était rediffusé Angélique, c'était allez, bam, on regarde Angélique. Que mon père, au bout d'un moment, était là. Bon, je vais lire un bouquin, moi. Et moi, c'est vrai que je repartais tout le temps dedans parce que j'avais un kiff sur. Aide-moi. Michel Mercier. Michel Mercier, merci. Je sais pas, quand j'étais jeune, elle me fascinait, cette. Ouais. Malheureusement, là aussi, il y a eu un remake. Et Dieu sait que pourtant, le réalisateur, je l'adore. Ah ouais, mais par contre, moi, l'actrice qu'ils ont choisie pour reprendre le rôle de Angélique, je peux pas. Tu le sais, cette actrice-là, je ne peux pas. Mais de toute façon, je sais même pas son nom, je veux pas le savoir. Enfin, je m'en rappelle plus. Mais si, c'est Léa Seydoux. Oui, non, mais je veux pas m'en rappeler. Nanana. Voilà, c'est exactement ça. Non, mais elle aussi, quand tu regardes sa filmo, quoi. Son premier crédit, il est en 1950. Son dernier crédit, il est en 2010, quoi. Waouh, 60 ans d'écart. Et en même temps, là, je pense que dans la filmo
Wikipédia, ils ont peut-être zappé certains. Et au théâtre aussi, mon Dieu, au théâtre, pareil, ça commence en 52 et la dernière pièce, 2010. Et en plus, il y a marqué, voilà, au théâtre 14 et en tournée. C'est-à-dire en 2010, bah, si je ne m'abuse, du coup, elle avait 80 ans et elle fait une tournée, quoi. Bah, moi, je dis chapeau. Alors, justement, j'ai vu… 81 ans même. Incroyable. Alors, je l'ai vu dans quelques pièces. J'ai vu… Bah, peut-être dans l'émission au théâtre ce soir, parce que… Oui, non, mais j'étais au théâtre ce soir. Je te rassure, elle en a eu quelques-unes qui ont été diffusées dans cette émission. J'ai ça aussi, vu… c'est une émission qui manque. Enfin bref, c'était une parenthèse. Ah, ben ça, c'est une certitude. Pour ramener le théâtre, justement, aux gens qui sont en province, qui n'ont pas un théâtre à portée de la main, quoi. Ben, c'est exactement ça, le problème. Mais c'était une aparté, excuse-moi. Non, mais tu as totalement raison. J'ai eu la chance de la voir dans la chatte sur un toit brûlant de Tennessee Williams. Une pièce fabuleuse, mais bon, c'est normal, c'est Tennessee Williams. Donc là, on n'a plus rien à dire. Je crois que j'ai dû voir un autre truc d'elle, deux ou trois pièces de théâtre, et puis après les films, bien sûr. Les films là. Ah, c'est dans le deuxième volet d'Angélique, d'accord. Elle a une liste. Ah ben tiens, un film. Alors attends, parce que je sens que je vais dire une connerie, mais je le sens. Alors, je ne sais plus si vous l'avez déjà dit, mais il date de quand le film? 1963, ma chère Mika. Mika, Elena, il va me falloir un temps d'adaptation avec ça. Désolé. Mais est-ce que tu l'as vu, peut-être que tu ne l'as pas vu d'ailleurs, un film avec Patrick Devers, Mauvais Fils? Non. Non. Patrick Devers, j'ai vu très très peu de choses. De mémoire comme ça, je crois que j'ai vu que les valseuses avec Devers. D'accord. Donc, ah ben, vois, mauvais fils. Ben là, mauvais c'est pareil. Hein. Effectivement, je sais qu'il a fait des rôles de fou, le mec, mais voilà. Ah ben, mauvais fils, quel film. Et puis, elle joue dedans. Enfin bon, voilà. Oh, mais c'est Maître Pat qui est parmi nous. Incroyable. Hello. Comment vas-tu, cher Pat? The Return of Pat Otaku. Exactement. Non, mais elle a, mais tu vois, le truc, c'est que ces gens-là, on ne les connaît pas aujourd'hui. Non. On ne les connaît pas du tout. Et ils ont une… Ils ont et pourtant, là, j'ai envie de te dire… Ils ont une filmo, mais une filmographie de dingue, hein, si on regarde bien. J'ai essayé, tu vois, de prendre des photos d'eux qui correspondaient à la période de tournage du film. Ouais. Et franchement, aouh, tu vois, le loup de Tex Avery. Non, mais quel morceau de femme aussi, en plus. Mais je veux dire, elle, on parle souvent, tu sais, des faits sur le berceau. Elle avait tout, quoi. Elle jouait bien, le physique, voilà, quoi. Et puis, excuse-moi, mais elle a 100 fois plus de classe que 95% des actrices à l'heure actuelle, peut-être même un pourcentage plus élevé, quoi. Mais tu sais, c'est quelque chose de oui, je sais pas, une stature, un machin. On la voit sur cette photo. J'ai trouvé cette photo, j'ai dit, ah, ça y est, j'ai la photo qui me fallait, quoi. Bien sûr, bien sûr. Mais regarde. Elle date de 62 ou 61, cette photo. Voilà, quoi. Regarde Michel Mercier. Ah oui, mon Dieu. Dans Angélique, on n'a plus rien à dire. Je vais te dire, et puis tu vois de l'autre côté, le truc, la chose, le machin, le bidule, appelle-la comme tu veux d'ailleurs. Non, mais voilà, non. Tu me permets de faire une parenthèse? Ah mais, on est en co-animation, même si ce soir, c'est moi qui gère le truc. C'est notre émission, donc tu as tous les droits de… Voilà. Ce qui me fait penser, c'est justement ces gens que, voilà, ces remakes ou autres qu'on essaie de refaire, mais pour moi, tu ne peux pas passer après une Michel Mercier, tu ne peux pas passer après une Romy Schneider. Tu peux pas passer derrière un Fernandel, Bourville, Gabin, Lino Ventura, etc. Et c'est pour ça, mais alors ça me vient en tête parce que on fait une parenthèse, parce que j'en ai bouffé là toute la journée, j'ai bouffé du Harry Potter et je repensais à chaque fois, mais
enfin, je passerai sur les détails, on en reparlera vendredi, puisque vendredi, il y a la deuxième partie, mais je repensais à cette série Harry Potter et je me dis, mais pourquoi ? Ça va être une catastrophe. Pourquoi ? Pourquoi ? Non, voilà, c'est ma réponse, elle est non. Voilà. Et là, si tu veux, pour revenir à ce... Je pense que le cinéma, une fois encore, le cinéma français, à une époque, et tu as bien fait de le souligner, c'est vrai que ces gens-là, aujourd'hui, à part des gens qui ont un certain âge ou des cinéphiles, mais vraiment les férus, mais les gens ne la connaissent pas, ils ne l'ont jamais vue, ils ne savent même pas qui elle est. Quoi. C'est-à-dire, c'est dramatique. Regarde pour le réalisateur. Gilles Granger, aujourd'hui, mais personne ne sait qui elle est. Ah, mais non. Mais alors, Non, mais je suis, je sais bien. Tu sais, je pense que dans une moindre mesure, c'est pareil pour les grandes actrices de légende hollywoodienne. Ah, bah c'est pareil, mais c'est la même les chose. Les Bette Davis, les machins comme ça et tout, aujourd'hui. Les Catherine Hepburn. Voilà, les Catherine Hepburn. Mais totalement. Humphrey Bogart. Humphrey Bogart, Clark Gable, enfin, tous ces noms de légende. Bien sûr. Et bah, toutes les actrices qui étaient leurs contemporains, c'est pareil, quoi. Tu fais un micro-trottoir aujourd'hui, les gens, ils vont te dire quoi ? C'est qui ça ? Bah oui. Et d'ailleurs, elle a juste son étoile sur Hollywood Boulevard, mais c'est personne. Hein, tu sais, c'est un petit peu comme mardi prochain, nous allons parler d'un film, d'un réalisateur. Mais avant d'être réalisateur, il a été acteur, c'est Charlton. Aujourd'hui, les gens, tu leur dis Charlton, ils te disent hein, c'est qui, quoi, comment ? Celui qui est né avant Charles l'hiver, en fait, hein, c'est ça. Voilà, exactement. Et puis c'est le nouvel arrivant dans le PSG. Ah, par contre, une chose, parce que moi justement, quand j'ai préparé l'émission, j'avais pas grand chose à dire sur cette dame, mais par contre, je me suis souvenu d'un truc, parce qu'il faut savoir que on parle souvent justement, tu sais, des étoiles d'Hollywood Boulevard, mais tu sais qu'on a notre équivalent en France. Ah bon ? Autour du Palais des Festivals de Cannes. Bah, moi, j'ai eu ma grand-mère qui a vécu pendant près de 50 ans à Cannes. Elle y a vécu jusqu'à sa mort. Et quand elle est morte, ça faisait 47 ans qu'elle était sur Cannes. Donc, on a eu l'occasion de se balader maintes et maintes fois autour du Palais des Festoches. Parce que quand on y allait en dehors de la période, parce que période festival, j'y étais allé deux fois, je crois, et plus jamais. Surtout les dernières années que ma grand-mère vivait encore. Parce que d'année en année, ça devenait de plus en plus con. Et de plus en plus, tu sais, on reculait vis-à-vis des acteurs qui montaient les marches. Le cordon de sécurité était de plus en plus agrandi. Ah bah oui, attention, faut surtout pas prendre de risques. Donc, les acteurs, actrices moins accessibles, entre guillemets. Mais quand tu passais hors festoche, tu pouvais te balader, aller et venir comme tu voulais. Et en fait, ils ont trouvé un principe, c'est les empreintes de main. D'accord. Et du coup, j'ai vu les empreintes de main de Simone Signoret, de Montand, enfin de toutes les grands acteurs et actrices de cette époque. Et je suis quasiment persuadé avoir vu à un moment donné les empreintes de main de Claire Maurier. D'accord. Seulement, ben moi, je savais pas du tout qui c'était. Puis mes parents et ma grand-mère, ah mais si, c'est une grande actrice, Claire Maurier. Puis pareil, comme toi, ils avaient cette culture-là. Ils ont dû essayer de me la transmettre, mais bon, à l'époque, quand j'étais jeune et con, c'est un film de vieux, ça. Voilà, quoi. Et donc, petite anecdote, c'est mais ça. Si un jour vous avez l'occasion de passer par Cannes, allez faire un tour au niveau du Palais des Festoches, baladez-vous dans les jardins autour et vous verrez si vous gardez. Mais en fait, moi, c'est parce que j'ai toujours eu un peu, j'aime regarder des fois les paysages, les machins, mais souvent, je regarde par terre. Pour voir où je mets les pieds, pas pour chercher la fortune. Hein. Et un jour, j'avais vu ces traces de mains. Et pareil, en fait, t'as les mains et t'as la signature de l'artiste. De l'artiste. Alors, c'est marrant parce que, en plus, on s'amusait, nous, avec mes parents, à mettre les mains dedans. Et il y en a certains, on disait, mon Dieu, mais il a des petites mains. D'autres, je crois que Gabin a fait des trucs. Lui, c'était des battoirs, ces paluches, tu vois. Le mec, il avait au moins une phalange et demie de plus que mes doigts. Bon, moi, c'est vrai que j'étais gamin, tu vois. Mais même mon père, même par rapport à moi, il avait des grandes mains. J'aurais pas aimé m'en prendre une par gamin. Et tu vois, ça devient, c'est ludique. Parce qu'en même temps, tu découvres des noms que tu connais pas. Donc, moi, j'en parle à mes parents. Et quand mes parents, ils me regardaient, petit gamin ignare, va. Tu ne sais pas ce qui est bon, tu vois. Parce qu'il n'y a pas que des acteurs et actrices françaises, hein. Il y a aussi des réalisateurs, des actrices, des acteurs internationaux, américains notamment, mais pas que, italiens, tout ça.
qui ont joué le jeu, tu vois. C'est-à-dire, quand ils ont été invités au Festival de Cannes, ils faisaient une petite cérémonie avec quelques journalistes et avec là, le truc, mettaient les mains là-dedans. Après, ils faisaient cuire ça et tout. Il y a un gars qui a été longtemps dédié pour ça à Cannes. D'ailleurs, tu peux le visiter aussi, son atelier, parce que le mec, il était malin, il revendait des reproductions. Il vendait des reproductions avec l'accord explicite quand même des acteurs et actrices concernés. Il y en a certains que tu trouvais pas dans son magasin et il t'expliquait que non, parce que l'acteur ou l'actrice avait expressément demandé à ce que ça ne soit pas exploité, entre guillemets. Puis lui reversait quand même un truc après à l'organisation du festival. Enfin, c'est une holding, hein, je crois, qui gère ça maintenant. À l'entreprise qui gère ça. Voilà, c'était pour la petite anecdote que je connais à mon petit niveau. Puisque tu parles un peu de ce genre de choses, il faut savoir que, alors pour ceux qui s'en rappellent, de l'époque de Dallas, je pense que ton univers est impitoyable, eh bien, sache qu'ils vendaient à une époque, je me rappelle, alors c'était pas Internet, hein, mais ils vendaient dans un sachet, ils vendaient un caillou de la propriété des Ewing. Non, mais alors ça, tu sais, ton anecdote, ça me dirait, parce que ça me rappelle comment en 89, quand il y a eu la chute du mur de Berlin, t'as vu fleurir de partout des mecs qui te vendaient soi-disant. On en a eu, nous, à l'école. Sauf que le truc, tu sais, c'était quoi? C'était un bout de Ciporex. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le Ciporex, c'est un truc qui ressemble à du béton, mais qui est aussi léger qu'une pierre ponce, enfin, une pierre de volcan. Exactement. Et là, tu te dis, mais vous foutez de ma gueule, les gars. On parle quand même d'un truc qui était censé séparer le bloc de l'Est du bloc de l'Ouest, quoi. Et les mecs, ils ont fait ça en Ciporex. Bah, voyons. Le Ciporex, tu mets un taquet, le truc, tu fais un trou. Coucou, vous allez bien, les Allemands de l'Est? Non, mais c'était parce que les arnaqueurs, ils ont sévi de tout temps. Ils n'ont pas attendu l'avènement d'Internet. Regarde, on voit même dans certains westerns et tout, les mecs qui te vendent des potions anti-vieillissement ou contre ceci, qu'on appelait ça les… T'en as aussi dans Red Dead Redemption 2, là, je sais plus comment on appelait ça, mais ça avait un nom particulier. Ils te vendaient de la poudre de perlimpinpin en te faisant croire que ça allait te soigner tous les maux. Donc, les arnaqueurs, ça a toujours existé. Et c'est pour ça que ça me fait rire, parce que, à mon avis, les cailloux de la propriété de Dallas, ils avaient jamais vu le sol américain. Hein. Le mec, ramasser des cailloux dans sa cambrousse, il s'était dit, tiens, j'ai un bon moyen pour me faire du mal. Dans le même genre, j'ai deux anecdotes. La première, c'était la première fois que les Beatles sont arrivés à Wembley, ils sont arrivés par hélicoptère. Et donc, ils ont foulé de leurs pieds la pelouse de Wembley. Et figure-toi qu'il y en a qui ont vendu de l'herbe qui avait été foulée par les chaussures des Beatles. Non, mais… Et puis, je suis sûr qu'il y en a qui ont acheté. Ah bah, évidemment, parce que je me doute pourquoi bien. Il y avait déjà des arcans à cette époque-là? Parce qu'il y avait déjà des gogos prêts à couper n'importe quoi et à acheter, quoi. Bah, bien sûr. Et alors, dans la dernière anecdote, celle-là, elle est plutôt croustillante. Lors d'un concert, Madonna, qui à l'époque… je pense, avait déjà chaud, a enlevé sa petite culotte et l'a jetée au public. L'a jetée à sa petite culotte dans le public. Personnellement, mais ça regarde, hein, je n'aurais absolument pas touché à cette culotte qui est. Mais c'est dégueulasse. Forcément. Bon, enfin, quoi qu'il en soit. Et bonsoir à Barbie in Wheelchair. Ah oui, en fait, mais oui, tout à fait. J'ai pas compris pourquoi élixir, là. Je ne sais pas. Enfin, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, les gens se sont arrachés la culotte de Madonna et ont vendu des morceaux de 1 cm, je me souviens, dans des petits sachets en plastique. Remarque, Patrick, aujourd'hui, tu as bien des nets sur Twitch qui vendent de l'eau de leur bain. Il y en a même une qui vend ses pets. Si, en bouteille. C'est flatulence. Bon, ils ont poussé le concept à l'extrême, on va dire. Mais le pire, c'est qu'il y en a cassette, quoi. C'est ça qui est dingue. Mais figure-toi, si tu veux quelque chose de gratiné, et ça, je l'ai vu dans une boutique. Je ne sais plus la boutique en question, mais dans des petites bouteilles de 25 centilitres, y a des gens qui ont trouvé l'arnaque absolue. Je ne crois pas qu'on puisse faire mieux ou pire. Alors, tu as de l'air. Qui vient de l'Himalaya, tu as de l'air qui vient du Cap Vert, tu as de. Si, je t'assure.
C'est un truc de fou. Ben oui. Ah, tu vois, Barbie Neuwischer qui nous dit Elixir, la potion dans Red Dead Redemption. Ouais, non, mais d'accord, mais ce que je cherchais, moi, c'était le nom spécifique qu'on donnait à ces mecs qui vendaient vraiment du vent, en fait. À mon avis, ils mettaient du sucre dans de l'eau et ils disaient que c'était un élixir de jeunesse ou je sais pas quoi. Oui, Et tu c'était vois, il y a des. Patotaku qui nous met aussi une belle anecdote. Je me souviens d'un YouTuber qui achetait un morceau de la maison des Goonies. Ah, si tu veux mon avis, elle a jamais vu la maison des Goonies, mais bon. Mais oui, c'est qu'est-ce que. Oui, j'en ai Bon. entendu parler aussi, Patrick. Oui, bah Et oui. si nous avancions un petit peu, Ah, parce que mais c'est mine de rien. avec plaisir, bien sûr. Non, parce que voilà, il a qu'un tout petit rôle dans le film, mais voilà un acteur qui a traversé, entre guillemets, les générations. En tout cas, moi, je parle pour mon cas, parce que lui, normalement, tout le monde le reconnaît. Oui, ah, faut le reconnaître. Ah. Galabru, Michel Galabru, Monsieur Michel Galabru. Alors lui aussi, hein, la Effectivement. carrière. On va, voilà, on va pas s'arrêter sur sa filmographie, je vous rassure tout de suite. Parce que là, pour le coup, c'est, on y passe 48 heures facile. Non, Alors, surtout bien sûr. qu'avec le nombre de films qu'il a fait alimentaire, il a reconnu lui-même hein, en Oula. interview. Mais ça n'empêche pas que le monsieur, bien sûr, a joué dans les gendarmes. Hein. Voilà. Oui. Voilà, forcément. Mais il y a deux films, en tout cas un qu'il faut absolument voir avec lui. C'est pas du tout un. Là, on est dans des rôles très sérieux. C'est Le Juge et l'Assassin. Fabuleux film, N'est pas extraordinaire du tout. film. Et puis, pour ceux qui, à la limite, sont un petit peu plus curieux, il y a un film qui s'appelle Kamikaze, dont la musique est faite par Eric Serra. Par Voilà. contre, je suis en train de voir alors sa théâtrographie, comme si on puisse dire, et lui, ça fait peur. Hein. Oh, j'ai jamais vu un tel truc en termes de théâtre. Ce truc de dingue. Ah Déjà, je ben. savais qu'il en avait fait en termes d'acteur, mais alors là, tu vois tout ce qu'il a fait au théâtre. Enfin, je vous renvoie à sa fiche Wikipédia, hein, si vous avez jamais eu la curiosité d'aller vous balader sur. C'est un truc de fou. Parce qu'en fait, au départ, je croyais que c'était sa filmo, mais en fait, non, non, c'est juste au-dessus, Non, puis non, non, ça non, te non. renvoie vers un autre article, et tout ce que tu fais défiler, en fait, tu vois mise en scène, et tu dis, non, mais c'est des pièces, en fait. Mais Oui, attends, ah bah regarde, il a rien qu'en. beaucoup. Non, mais en 1950, le mec, il a joué dans 4 pièces. En 51, il a joué dans 6 pièces. En 52, 5 pièces. Non, mais comment est-ce que tu peux faire 6 pièces en une année? Ça veut dire que le mec, il a fait une pièce tous les 2 mois. Et je suis peut-être même sûr que tant, il en faisait peut-être même deux de front, tu vois. Non, mais. Et là, tu te dis, mon Dieu, c'est un fou, quoi. Et en plus, ce que Mais je te oui. parle là, c'est quand il était à la Comédie-Française. Parce que ça, par contre, je l'ai su. Alors, pas là pour préparer ce live, mais je l'ai su quand même assez récemment. Il y a peut-être 2, 3 ans, le monsieur a été sociétaire à la Comédie-Française. Bien sûr. Combien aujourd'hui d'acteurs présumés comiques ont fait la Comédie-Française? Hein? Si tu veux mon avis, pas beaucoup. C'est déjà plus compliqué, hein, de toute façon, forcément, forcément, Bah oui. forcément. Mais bon. Bah oui, évidemment, évidemment. Bah, ça fait partie de ces gens qui. Mais c'est vrai que on va, lorsqu'on parle de Galabru, on aura tendance à se rappeler, entre parenthèses, pas du nom des films, mais dans les navets, il faut le dire, hein, dans les navets qu'il a pu tourner, Ah malheureusement. ben oui. Alors que le monsieur, je le répète, regardez Le Juge et l'Assassin, vous allez voir tout le talent de ce monsieur, parce que oui, Michel Galabru avait énormément de talent, même s'il a un petit peu gaspillé dans des choses pas très intéressantes, mais il avait énormément de talent. Enfin, Nous déjà, a. moi voilà, parmi les films dont je me souviens, tu vois, je regarde un peu sa filmo. Bah déjà dans L'Avare de Jean Giraud et Louis de Funès, dans Les Sous-doués. Bon, même si, Alors, voilà. il y a Patotaku qui nous dit Kamikaze, c'est celui où Galabru tue des speakerines à la télé via une invention. C'est exactement ça, Pat. Ouais. Waouh. Fabuleux ce film Kamikaze, mais quel film. Là aussi, petit film dont
Mais peu de gens connaissent, c'est dommage, c'est dommage. Mais c'est un super film. Et alors, parmi les. À moins qu'il y ait quelque chose à rajouter sur Monsieur Galabru, puisqu'on peut dire Monsieur quand même. Moi, je te dis, moi, c'est après le truc, c'est que je parlerai toujours forcément des films qui m'ont le marqué, puisque notamment il est dans Subway de Besson. Je sais pas si tu te souviens, c'est lui qui fait le Non, commissaire pas du tout. dans. Pas du tout. Ah. Subway, je connais pas du tout ce film. Ah bon, d'accord. C'est qui? C'est comment il s'appelle? Je sais plus. Et puis bon, Édouard Besson, c'est ça? Ah non, c'est pas. Jean-Luc Besson. Ah, je me rappelle plus t'as comment il cité s'appelle tout à l'heure l'homme. le Splendide et moi aussi, pour moi, il restera toujours le papy de Papy fait de la Résistance. Parce que c'est lui, papy, dans Papy fait de la Résistance, de Jean-Marie Poiret. Oui, bien Voilà. sûr, bien sûr. Et attends. Ah mais oui, exact. Il avait un petit rôle aussi dans On l'appelle Catastrophe. Parce que celui-là, je l'ai vu avec Michel Leeb. Mais Oula, toi, je me alors souvenais là. plus qu'il avait un petit rôle là, enfin, un petit rôle. Non, pas si petit que ça, puisqu'il joue le directeur de la banque et qu'il est troisième dans l'ordre des crédits. Puisqu'il y avait Michel Leeb, Darry Cole et Michel Galabru. Mais en tout cas, ouais, moi j'avais aimé ce film. Bon, après, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est une bonne comédie, moi, ça me fait bien rire. Mais alors attends, là je fouille dans ma mémoire parce que je sens. Il n'a pas joué dans un des Angéliques, lui. Bonne question. Bonne question, bonne question. Alors attends, revenons. C'était quelle année? Rappelle-moi, c'était les années 60, hein, les Oh, Angéliques. 60, c'est les Angéliques. Après, je dis pas qu'il a tourné dans tous les Angéliques, mais je me demande s'il n'a pas Non, peut-être fait. dans un. Ouais, peut-être dans un. Alors attends, je regarde. Je Je crois regarde, je bien, regarde. qu'il a dû jouer dans un des Angéliques. Alors, c'est pas le premier, ça c'est sûr. Ça m'étonnerait que ce soit le 2. Peut-être dans le 3. Je regarde. Hein. Après, c'est soit un Angélique et le handicap. roi. Angélique et le Ah, roi en tu vois? 65. Oui, tu vois, ça me titillait un petit peu. Je me suis dit, c'est quand Ouais. même. Ouais, non, ça... et puis, non, là d'un coup ça me revient, mais il a un rôle dans Flic ou Voyou, mon préf de Belmondo. Merci beaucoup, Pat, tu vois, comme quoi, voilà aussi. Et puis là, il y a un film que je vous conseille tous vivement, vivement. Ça se passe pendant la guerre, c'est dans un petit village, c'est Uranus. Où là on voit ouais, tout ce que l'âme humaine peut sortir lors d'une guerre, quoi. Vous avez les lâches, les hypocrites, les faux culs, ceux qui se prennent pour des stars et qui ne le sont pas. Enfin, c'est Uranus avec, entre autres, bien sûr, entre autres, Depardieu, Marielle. Philippe Noiret. D'accord, oui, bah celui-là, je l'ai vu. Mais tu vois, je ne me Ah, mais souvenais plus qu'il était dedans, Si, Galabru. si, Et si, pourtant, si. si, ouais, il est. Bien sûr, bien sûr. Quel film, mais quel film, cet Uranus. Mon Dieu, mais Il quel joue le film. rôle de Mongla, apparemment, dedans. Ah, ouais, non, mais un film pas possible. Vous voyez, vous avez au moins trois films. Allez, on va dire Le Juge et l'Assassin, Uranus, si vous voulez des rôles sérieux. Hein, Oui. et Kamikaze, voilà, vous avez de quoi faire, ces trois-là. Croyez-moi, vous allez vite vous rendre compte que. Et comme dit Patotaku, ah, magnifique Michel Mercier. Oui. Ah Ah ben. bah oui. Ah bah oui. Bah oui, hein, bah oui, forcément, Non, on inévitablement. se prend pas encore pour Drucker, ma chère Elena. Non, ça ira comme ça. Et alors, Alors du coup, comment on va faire pour cet acteur ou actrice que j'ai oublié mais c'est parce pas grave, que. ne te casse pas la tête, ne te casse pas la tête. Cet acteur, c'est Andrex. Andrex qui était Oui. très très ami avec Fernandel. Et qui a joué dans plein de films où se trouve Fernandel, qui lui aussi, ben, si tu peux la regarde un petit peu sur Internet, tu vas voir que Andrex a une filmographie à faire pâlir, je vais te Alors, dire, le moindre Andrex, acteur de son d'aujourd'hui. vrai nom, André Alexis Jaubert, dit Andrex, né en 1907 à Marseille et mort en 1989 dans le 16e arrondissement de Paris. Décidément, ils ont tous été mourir dans le 16e. En même temps, oui, ça se comprend un peu.
Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Ben déjà, il a joué dans Angèle, Hôtel du Nord, Manon, parmi les films notables qui relèvent. Ouh, ah oui, ah oui, c'est pas une petite filmographie. Hein. Oh, oh, oh. Bah non, Ah le la monsieur. vache! Le... Bah oui, le monsieur, il est quand même. Voilà. Et puis là aussi. Alors lui vient carrément du musical. Alors là, lui, il n'y a aucun D'accord. problème, de toute façon. Ah ouais, lui, il vient vraiment du musical, quoi. Mais ça fait partie de. Voilà, ça fait partie de ces gens qu'aujourd'hui. Ah oui, plus Aujourd'hui, on personne, sait. Ah complètement, non, oui. mais là, c'est clair, net et précis, ces gens-là. Voilà. Alors, je crois même qu'il a. J'ai cru que tu allais dire. Ah oui, d'accord. Oui. Tu devrais avoir honte, C'est pour ma ça que chère je disais, on ne Juliette. se prend pas encore Ouais. pour Drucker. Et puis, si je ne m'abuse, il a. Andrex a joué dans. Ne pas confondre avec Si Versailles m'était compté, mais je crois qu'il a tourné dans Si Paris m'était compté. Et puis, Le mouton à cinq pattes. Aussi, que je vous conseille de Mouton à voir. cinq pattes. Rien que Super le film titre, aussi. déjà, c'est toute une histoire. Mais c'était l'époque où, voilà, alors attention, il y avait aussi des navets, hein, il y a comme ça, forcément, mais c'est vrai qu'il y a eu une période où. Et Andrex, c'est la période de. Je pense que tes parents doivent le connaître, tu vois. Ah oui, certainement, oui. Voilà, tes parents le connaissent forcément, tu vois. C'est plus le. Mais si tu veux, moi, il y La a un génération. truc qui va peut-être te faire rire, mais j'avais pas l'impression qu'il y avait une telle, comment dire, un tel foisonnement dans le cinéma français avant les années 70, on va dire. Pour moi, c'était les années d'après-guerre. Les mecs, s'ils arrivaient à tourner un film dans l'année, ils étaient contents. Alors. Alors que non, parce Eh qu'en non, fait, c'est pas pour rien, oh. c'était les Trente Glorieuses, hein. Mais oui, bah oui. Mais oui. Ben, tu sais, je vais te dire, c'est pareil. Bon, alors là, on parlait bien sûr de Fernandel, de Bourville, comme il y avait Gabin, etc. Mais des personnes plus vieilles, je dirais, il y a Michel Simon. Michel Simon, c'est quelqu'un avant-guerre qui a eu une période, enfin, qui a, voilà. Tu avais Gérard Philippe. Gérard Philippe, Ah le oui, Gérard chéri. Philippe, oui, le C'était le shérif des chéri. dames. Ah, mais complètement, c'était voilà, c'était le beau gosse, quoi, c'était le James Dean français, tu vois. Et puis il y avait Rému, forcément, Ah Rému, oui. c'était, tu vois, voilà, ça faisait partie de ces gens. Après, il y avait d'autres personnes qui étaient peut-être moins Ben, connues. désolé à lui de ne pas le connaître plus, quoi. C'est pour ça que j'ai Non, pas mais pensé non, forcément à le mettre dans non, le. mais c'est tout à fait logique, parce que c'est vrai que c'est quand même une génération. Voilà, qui aujourd'hui, Andrex, c'est. Mais comme plein, aujourd'hui sort Charles Vanel. Les gens vont te dire, mais c'est qui? Ben, même moi, j'aurais tendance à te dire, c'est qui Charles Vanel? Eh ben, Charles Vanel, crois-moi, tu regardes la filmo, tu regardes un peu ce qu'il a fait, tu te dis, Tu ok, pleures. voilà, ça va, merci, au revoir. Mais ça fait partie de ces Ben gens, tu vois, je vais te dire, c'est. On peut aller loin encore. Harry Bore. oui. Harry Ouf. Bore, ça fait pas. Eh oui, ben oui, ce sont des gens que. Et crois-moi, c'est. Regarde la filmo, par exemple, de Michel Simon, tu vas voir, tu vas pleurer. Hein. Bon, t'as Tu décidé de vas. me faire passer pour un ignare ce soir. Moi, je dis plus rien. Mais moi aussi, je pourrais pleurer parce que c'est vrai que souvent tu dis oh, ouais, moi je suis qu'un petit à côté de vous. Ouais, enfin non, parce que après, tu as le côté générationnel qui joue. Parce que oui, Bah oui. peut-être que si j'étais venu au monde à la même période que toi, peut-être que oui, je connaîtrais un peu tous ces. Quoique, regarde, il y a le contre-exemple. Je suis sûr que Pascal, tu lui parles de ces gens-là, il connaît. Oui. Mais bon, Oui. Pascal, c'est un Wikipédia cinématographique sur pattes, donc Alors lui, forcément. c'est pas. Lui, de toute façon, on ne peut pas en parler, c'est pas possible. Ben oui. Il est à part. Mais bon, c'est sûr, Bah en c'est tout cas, comme voilà, tout. je pense qu'on a quand même bien fait le tour des Ouais. grands artistes qui ont œuvré Complètement. à comment dire, Complètement. à façonner ce film. Et Oui. si tu le veux bien, bah, on va rentrer dans le vif du sujet, entre guillemets. Mais Bah, tu me volontiers, diras après volontiers. 1 heure de live, on peut. Hein. Non, mais il fallait. Moi, je pense qu'il faut en parler parce que c'est vrai, ce sont Ah des oui, acteurs ou bien actrices sûr. dont on ne parle même le réalisateur. Bientôt ne parle plus. Oui, et malheureusement, comme tu l'as si bien dit pour le réalisateur, quand tu vois au box-office, le monsieur a quand même fait quelques films qui ont Eh oui. marché, hein.
Un peu, ouais. Rien qu'un peu. Ouais, c'est pour ça que c'est un champion du... Entre les années 50 et 60, c'est un champion du box-office, quoi. Et en plus, c'est pas qu'après, il a commencé à faire des films de merde, c'est juste qu'il a arrêté sa carrière, quoi. Parce que voilà, parce que le monsieur, c'était place aux jeunes, machin. Non, parce que il y a souvent ça aujourd'hui, de vieux réalisateurs qui ont connu une gloire, machin, et qui les mecs veulent insister et qui finissent par, parce qu'ils sont plus connus des jeunes générations et que les mecs se disent, je veux pas aller voir ce film, enfin, un vieux qui l'a réalisé. Ouais, non, mais tu sais, il y a, en ce moment, il y a un peu un problème de jeunisme dans la société. Et j'ai l'impression que tout ce qui a plus de 50 balais, c'est ils sont rares. Ça va me filer des boutons. Donc c'est un peu voilà, c'est un petit peu compliqué quoi. Alors que c'est des fois, on devrait se reposer sur des gens justement qui ont de la bouteille, qui ont voilà quoi. Mais bon. Il y aurait beaucoup à dire, mais oui, tu as raison. Tu as forcément raison, bien sûr. Peut-être un jour un live là-dessus. Qui vivra verra. Pourquoi pas, ça serait pas bête. Oui, effectivement. Et donc, la première image que j'ai choisie pour démarrer le film, alors voilà, on voit, alors je crois que c'est le nom d'une vraie ville, hein, si je ne me trompe pas, au Tyrol, qui s'appelle Krems, et on voit ce « Je t'aime, Fernand ». Parce qu'au départ, on nous situe où on est. Alors, je précise, il n'y aura que 4 captures d'écran où il y a des sous-titres. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'à ce moment-là dans le film, ça parle en allemand, si je ne me trompe pas. Voilà. Et donc, ben forcément, comme ça parle en allemand. Et d'ailleurs, c'est impressionnant parce que Fernandel, bon, même si j'imagine qu'il a dû peut-être apprendre les répliques par cœur, je ne sais pas s'il parlait allemand vraiment ou pas dans la vraie vie. Donc, comme je n'ai pas trouvé le renseignement, mais bon, après, voilà, tu peux apprendre une langue étrangère comme ça si tu as 4 phrases à dire. Mais en fait, ce qui est marrant dans la scène, c'est que malgré le fait qu'il ne joue pas dans sa langue natale, qu'il joue en allemand, il est quand même drôle quoi, il a ce côté Fernandel, tu vois. Et donc ensuite ben on le voit voilà avec cette nana qu'il essaye de consoler, celle qui lui a dit donc je t'aime Fernand. Ich liebe dich Fernand. En plus je sais pas si tu te souviens, mais la voix qu'elle a là, tu sais, toute suppliante et tout, ich liebe dich Fernand. Et lui il lui dit je vais pas le faire en allemand parce que, mais voilà, qui aurait pu penser qu'il allait revenir. Parce que oui, en fait, la dame qu'on voit à l'écran, elle était mariée. Oui. Mais je n'en dis pas plus, parce que je vais y revenir un peu plus tard dans le film. Et donc, eh ben là, en voiture, mais ce n'est pas pour ça que j'ai pris cette capture d'écran, c'est parce qu'on voit qu'en fait, le train qu'il prend, c'est le grande ligne Vienne-Marseille. Bon, lui, il ne va pas jusqu'à Marseille. Hein. Non. Attends. Bah si. Si, il est obligé d'aller à Marseille. Voilà, Marseille, oui. Après faire un changement pour prendre un train régional. Effectivement. Mais voilà, c'était surtout pour ça, pour qu'on voie le côté Vienne-Marseille. Tu imagines un peu le trajet? Que oui. À l'époque. À l'époque. Ah ouais, non, mais c'était un truc de fou. C'était un truc de dingue. Puis moi, ce qui me fait rire, c'est que. Tu sais, il lui fait quand même genre la grande émotion, surtout quand à un moment donné, bon, je ne l'ai pas pris là en capture d'écran, mais quand il lui dit au revoir par la fenêtre, tu me jures que tu m'oublieras pas et tout, lui, oui, je t'oublierai pas. À peine il est assis, il avise une nana qui est assise juste en face de lui et il commence à la radiographier, tu sais, en mode beau gosse et tout. Bon, sauf que ce qui me fait rire, c'est qu'après, il en vient à ce moment-là où il montre à la nana des photos qu'il y a dans son portefeuille. Et il lui dit, ah ben là, c'est ma femme, et là, c'est moi en tenue devant mon restaurant. Mais c'est surtout pour ça que je l'ai pris, parce que là, on voit donc le logo du restaurant qui tenait à Martigues, à la vraie bouillabaisse. Sauf que, quand il débarque à Martigues, comment dire, l'établissement a quelque peu changé la façade du. Parce que bon, j'aurais pu, tu vois, montrer, parce que quand il montre ça, il montre une autre photo, mais bon. Après, c'est pénible si. Enfin, je veux dire, de toute façon, il faut faire des choix. Parce qu'on voyait mieux la façade sur une des photos qu'il montre. Mais j'ai trouvé que là, parce que là, on voit qu'il a. Comment il s'appelle ? André, il a refait la façade à l'image de la façade d'une maison traditionnelle normande. Normande, bien sûr. Et bon, là, c'est pareil, vous ne voyez peut-être pas bien, parce que voilà, parce que là, le film étant de l'année où il est, mais il y a marqué la sole normande. Et du coup, quand notre cher Fernand voit ça, voilà la tête qui tire.
L'air de dire, mais c'est une blague là, c'est pas possible. Ouais, l'air de dire, il est un peu décontenancé, Ah, le surtout, monsieur. et puis, très important, il faut bien préciser que là, nous sommes à Martigues. Donc, Oui. forcément, Martigues, c'est pas la cuisine au beurre. Et Ah, mais pas vraiment. la saule normande, si tu veux, à Martigues, c'est comme si tu expliquais aux Normands, je veux boire un Gambetta limonade, tu vois, c'est la même chose. Ils risquent de te regarder bizarrement. Ben là, c'est Oh, bah, pareil, tu c'est pareil. m'étonnes qu'il risque de te Ah ben regarder voilà, bizarrement. ben c'est la même chose, c'est À pareil. minima, quoi. Ben, tu m'étonnes, les gens vont te dire, mais hein, quoi, comment, ou pourquoi? Ben là, forcément, tu m'étonnes, tu es à Martigues, et donc l'autre, il te sort la saule normande, forcément. Donc. Et là aussi, d'où le titre, parce que bien entendu, le titre, forcément, La qui cuisine au dit, beurre. eh, Eh la oui. cuisine, eh oui, alors que. Bah, lui étant Marseillais, forcément, c'est pas du tout au beurre, ce serait plutôt avec de l'huile d'olive. Donc Ah ben, ça d'ailleurs, regarde, coïncouille un c'est pas peu. pour rien que ce soir, tu sais que j'essaye toujours de faire un petit jeu de mots à la con avec mon pseudo, et c'est pour ça que j'ai mis Babas à l'huile. Parce que Ben oui. moi, en plus, bon, toi tu le sais, mais pour des viewers qui ne le sauraient pas, mon vrai prénom, c'est Olivier. Et l'huile d'olive, voilà, pour moi, c'est effectivement, même si attention, des fois, ça m'arrive de cuisiner au beurre. Moi, j'aime bien alterner les deux en fonction des plats, parce que je trouve qu'il y a des plats qui se prêtent mieux à être cuisinés à l'huile, justement. Et des plats qui vont mieux, bah surtout quand tu fais des plats plutôt, on va dire, au-dessus de Lyon, tu vois. Tu vas pas mettre de Ouais, l'huile d'olive, ça dénaturerait un peu le plat, je pense. et puis tu prends par exemple une bavette, la faire à l'huile d'olive, Bah, ça surtout que aurait l'huile d'olive, ça supporte pas les hautes températures. Enfin, c'est pas pour faire la. de la grillade ou de la friture, hein, Ah l'huile ouais, d'olive. bah ouais, tout à Certainement pas, fait. quoi. C'est quelle Non, non. horreur. Ah, c'est D'ailleurs, si tu impressionnant, l'as. quoi. Alors, je vais peut-être dire une dinguerie, mais il me semble que si tu la fais trop chauffer, l'huile d'olive, ça devient limite un poison pour l'organisme. Hein. Ah, je Corrige-moi sais si pas je du me tout. trompe. Je sais pas du tout. Alors, Nemo, là, Alors, tu faudrait sais, demander à malheureusement. quelqu'un qui ait des, voilà, plus de Oui, connaissances culinaires. Et donc, je pense. ce cher Fernand arrive dans l'établissement Tenu par par André. monsieur. Voilà, par monsieur André. Et Par alors là, il monsieur y a tout. André Colombet. Alors, Olivier, au saumon, mon préféré. Préféré. D'accord, ok. Oui, c'est une référence à, tu sais, la pub pour les trucs de la vache qui rit qu'on mange à Noël, là, les Oui, petits oui, oui. cubes. Les apéricubes. Apéricube, merci Patrick. Tu vois, j'avais le mot cube, j'avais pas l'apéritif devant. Mais moi, ce que j'aime bien dans cette scène-là, c'est qu'en fait, il va lui expliquer, lui dire. Alors, tu me reprends, mais Oui, c'est bah, le t'inquiète, je personnage de suis. Bourville qui dit. Parce que l'autre lui dit, ah oui, mais quand même, mais vous avez connu l'ancien propriétaire, enfin l'ancien. Oh oui, mais bon, attendez, vous parlez de sa bouillabaisse et tout. Sa bouillabaisse. Ouais, sa bouillabaisse en Non, non, conserve. non, c'est pas là. Ouais, mais c'est pas là qu'il lui dit, Après? Ah, Patrick. pardon, excuse-moi, alors je croyais C'est que un c'était peu là. plus, ouais, c'est un peu plus loin. Parce qu'en fait, là, c'est parce qu'en fait, il lui dit, mais dites, ah oui, parce qu'en fait, voilà, quand il rentre, il demande à la petite serveuse, il dit, mais dites-moi, c'était pas la vraie bouillabaisse ici avant? Et la serveuse, tu parles, elle ne sait pas, parce que le mec, faut quand même dire qu'il est parti 14 ans auparavant, Oui. à tel point qu'il est parti depuis longtemps qu'il est déclaré mort. Il est même, Oui, on le je verra plus sais. tard, il est inscrit au monument aux morts. Et en Oui. fait, du coup, elle dit, oh, faudrait plutôt demander ça au patron, parce qu'en plus, moi, je me régale dans ce film. Tu vois, c'est ce qu'on parlait quand on avait fait notre live sur La gloire de mon père, le château de ma mère. Tu sens que les accents ne sont pas fins. Tu vois ce que je veux dire? Ah Ça, ben oui. non, mais t'entends les cigales derrière, ça chante la Provence, quoi, rien que les accents. Et elle dit, ah ben, faudrait demander au patron, parce que moi, je sais pas, j'étais pas là. Et c'est là, quand il arrive, qu'il dit, mais dites, avant, ça s'appelait pas à la vraie bouillabaisse. Et là, en fait, j'ai pris pile le passage où il y répond, ah non, mais ça, c'est une époque révolue, et puis depuis plus de 10 ans, hein, aujourd'hui, c'est la saule normande. Et après, c'est là qu'ils boivent un coup tous les deux, que lui, il se retourne, il regarde si madame, elle le surveille pas. Parce que madame, t'as l'impression que voilà, c'est elle un peu qui porte les pantalons. Plutôt. Et enfin, voilà, il y a tout un échange, mais où en fait, il ne lui dit pas du tout qui il est. Et c'est Ah non, mais après. il lui dit pas, mais je croyais que Non, mais c'était c'est au à... non, début, mais comme c'est si, parce que après. c'est à... si, c'est après quand ils boivent le coup et tout, et qu'il Ah, dit. mais c'est dans cette scène-là.
Ah non, oui, c'est dans cette séquence-là, mais c'est un peu plus tard dans la scène. Oui, parce qu'il lui dit ouais, mais quand même, il paraît que ça bouillabaisse. Et lui, il fait mais non, c'est des boîtes. En conserve. Ouais, conserve, ouais. Pardon ça. Mais vous les manquez de respect, qu'il fait Fernandel. Et lui, ah non, je n'oserais pas manquer de respect à un mort. Voilà. Là, et c'est là que ça fait tilt dans sa tête à Fernand. Il dit un mort. Ah ben oui. Et là, il va derrière le comptoir. Il va derrière le comptoir, il lui chope le truc et il lui montre. Et fait, voilà. Parce qu'elle, sa veuve, entre guillemets, elle a reçu un truc officiel de l'Amérique, elle a fait mettre sous cadre où il y a marqué, voilà. Et en fait, bon, ça, c'est vrai que je ne l'ai pas pris en image parce que c'est vrai que comme il n'y a pas de sous-titres, oui, c'est compliqué. Et puis, pas, non, mais en fait, elle a reçu un truc comme quoi, voilà, pour service rendu, il est mort pour la France, machin, tout ça. Et parce que du coup, non, mais ça lui donne des droits, elle aussi. Elle touche quand même une pension de veuve de guerre. Oui. Parce que ça aussi, ça a son importance pour la suite. Un petit peu, oui. Un petit peu. Sauf que, donc, à ce moment-là, il dit ben, si vous avez connu l'ancienne direction, je vais vous appeler. Ah oui, parce qu'il dit Christiane, elle est toujours là. Et c'est là que André lui dit ah oui, mais sa femme maintenant, ben, c'est ma femme. Je vais vous l'appeler. Et c'est là que lui, il dit non, non, ne la dérangez pas et tout. Et que lui, il est rappelé en cuisine, il appelle donc sa nana qui est en haut. Et pendant ce temps-là, notre Fernand, il se carapate. Sauf qu'entre-temps, il est victime, entre guillemets, hein, d'un accident de la circulation. Et il se trouve qu'il a son livret militaire sur lui. Et donc, on en arrive à ça. Oula, téléphone qui sonne. Clinique Saint-Régis. Pourrais-je parler à Madame Jouvin, s'il vous plaît? Ah, mais Madame Jouvin, c'était moi. Mais bon, plus maintenant. Maintenant, je suis Madame Colombet. Donc là, le mec lui dit, ah oui, mais parce que justement, j'ai parlé du truc du livret militaire et certainement le docteur qu'elle a au téléphone, il lui dit, il n'y a aucun doute possible. Parce qu'elle lui dit, mais mon mari, enfin, ce Fernand Jouvin qui était mon mari est mort. Ah ben non, je peux vous dire qu'il est bien vivant, il est dans nos services. Donc, quand même, vu qu'elle est estomaquée et tout, mais elle se rend quand même à l'hôpital. Et là, alors là, on arrive à une séquence, moi qui me fait délirer, c'est toute la séquence de l'hôpital. Alors, qu'est-ce que nous dit, juste pour dire les amis que je reste encore une dizaine de minutes et après je vais lancer un stream sur potentiellement la fin de la Director's Cut de Ghost of Tsushima. Bah, écoute, fais-toi plaisir. Bien. Et en tout cas, merci d'être resté jusque-là. Exactement. En espérant que, ouais, j'imagine, mais en espérant que, voilà, que peut-être tu regarderas la suite en replay parce que c'est en tout cas un film que moi je te conseille, hein, ma chère Elena. Après, voilà, chacun est libre de, mais en tout cas, c'est très gentil à toi, bah, d'être là avec nous depuis presque une heure et demie, hein. Exactement. Et puis, ben, ma foi, bon gaming, quoi. Bon et gaming. Puis, même pour la fin du jeu. Je ne dirai pas les deux lettres qui suivent. Je te laisse deviner. Pourquoi pas? Ah ben ouais, non, mais franchement, je pense que tu passerais un très, très bon moment. Après, voilà, il faut quand même s'affranchir du côté, comme on disait, voilà, il ne faut pas dire, ouais, c'est un film en noir et blanc et tout, parce qu'il y a des moments, mais vraiment fandards. Et d'ailleurs, là, on arrive sur un de ces moments vraiment fandard, justement. Et donc, moi, dans cette séquence, alors, comme tu me dis que tu l'as revu assez récemment, moi, il y a un moment qui me fait hurler de rire dans cette scène, mais c'est quand elle lui dit, et durant tout ce temps, pourquoi t'as pas écrit? C'est parce qu'il lui explique qu'en fait, il a... Et là, il lui dit, ben, je pouvais pas, l'encre. Et elle lui dit, qu'est-ce qu'elle avait, l'encre? Eh ben, elle, je l'ai. Tu vois, elle, je l'ai. Et là, toi, en tant que téléspectateur, tu dis, qu'est-ce qu'il raconte? Et en fait, moi, ce qui me fait vraiment délirer dans toute cette séquence, c'est que, à partir de là, quand il dit, elle, je l'ai, en fait, il leur montre tout un bateau sur une soi-disant captivité en Sibérie. Oui. Ah, c'est bien ouais, ça. Ouais, mais là. Mais ce que j'adore dans cette séquence, c'est parce que, au fur et à mesure qu'il leur raconte, toi, tu vois les images. Et c'est toute la dichotomie entre son récit et ce qui s'est vraiment passé, qui nous est montré en tant que spectateur. Et là, tu te dis, le mec,
Ah non, mais le mec sort les violons, là. C'est l'orchestre symphonique. Ah non, mais c'est hallucinant comme il se fout de... Mais je te dis, moi, c'est l'amorce de ça quand elle lui dit « Ouais, mais alors, durant tout ce temps, tu étais vivant, pourquoi tu n'as pas écrit ?» Et je pouvais pas, l'encre. Ah oui. Et là, qui c'est la belle encre ? Mais en plus, toujours avec ce bel accent chantant, et l'autre qui répond, mais tout de go, « Elle gelait. » Comment ça, elle gelait ? Bah oui, forcément. Mais en plus, après, il leur mène un truc. Et là, c'est là que tu vois qu'à cette époque, forcément, il n'y avait pas Internet. Parce qu'il dit moins 80 sous zéro. Oui. Au moins 80. Où tu vas le chercher, le moins 80? Il faut aller en Antarctique, quoi. Surtout que plus tard dans le film, à un moment donné, tu as un journaliste carrément qui lui dit « Et vous étiez où en Sibérie ?»« Ah ben, dans le nord de la Sibérie. » Le mec, il ne sait pas, il ne connaît pas en fait la Sibérie, quoi. Tu m'étonnes. Et donc, pour conclure sur cette image, là, il y a aussi un truc. Pour moi, c'est le premier acte du film. C'est la première erreur majeure d'André. Parce que lui, tu le vois avec ça. C'est pour ça que j'ai pris cette image. Parce que bon, tu as elle qui a une expression à peu près neutre. T'as Fernand. Tu vois, il a un côté calculateur et tout. Et tu vois André avec, bah, avec sa bouille, tu vois, de brave garçon, de brave type. Et c'est quand il sort à son épouse, il dit « Ah non, mais hors de question, hein, quand il sortira d'ici, il viendra la seule Normande pour sa convalescence. » Et là, tu te dis « Mec, non. tu mais non, en fait. » Ah ben non, parce jamais. Que là, quand après coup, tu vois, avec le recul, parce que tu sais que voilà, pour préparer les émissions, moi, je regarde une première fois le film et après, je me revisionne pour prendre les meilleurs moments. Et là, tu fais « Non, non, mon gars, là, tu as fait une erreur majeure. » parce que voilà, tu ramènes pas ce gars. Bah, c'est mettre le loup dans la bergerie. Hein. Mais surtout que, souviens-toi, ça conclut la séquence où il raconte soi-disant ses années de galère, de captivité, de ci de là, et que tu vois que le mec en fait, il a mené grande vie auprès de la fameuse nana qu'on voit au tout début. Hein, ich liebe dich, Fernand. Exactement. Et là, tu te dis, à monter un bateau comme ça. L'autre, ça a l'air d'être une bonne poire, il va lui retourner le cerveau, quoi. Ah bah, mais il va lui retourner passe, le cerveau. Hein. Oui, mais avant ça, avant qu'il se... voilà. Moi, il y a un passage que j'aime bien aussi, c'est donc, effectivement, il sort de l'hôpital, il attaque sa convalescence et il lui prépare sa spécialité, la fameuse sole normande au beurre. Et bien sûr, il veut lui faire goûter. Et là, ce que j'aime bien aussi, tu vois, c'est quand t'as André, il lui dit « Alors, qu'est-ce que t'en penses ?» Et là, t'as, comment il s'appelle, Fernand qui lui répond « Ça surprend. » Et de suite, tu vois, t'as, et je le dis aussi pour les viewers, la personne qui est à droite de Fernandel, donc à gauche sur la photo, qui est donc son ex-belle-mère, qui dit, elle dit « Et en Sibérie, vous mangez comment ?» Et là, t'as le Fernand qui répond « En Sibérie ? Ah oui, en Sibérie. Tu sais, le mec, il a déjà oublié qu'il avait. Mais tu te rappelles de cet enchaînement de trucs quand elle lui dit ça, et en Sibérie, vous mangez comment ? Et lui, en Sibérie. Ah oui, en Sibérie. Eh bien, on mangeait froid, pardi. Mais tu sais, c'est qu'il y a un moment de flottement où il, en Sibérie, qu'est-ce qu'elle me raconte ? La vieille est complètement allumée. Puis d'un seul coup, il se souvient de son mensonge à Mac 2 et ah oui, oui, en Sibérie. Ben, on mangeait froid, pardi. Et là, tu te dis, ah, oh, ça commence bien. Et il y a plein de fois, il nous le refait ça dans le film. Oui. Où, quand il va voir ses anciens amis au bar, et que l'autre il dit, ah, raconte-nous comment c'était en Sibérie. En Sibérie. Ah oui, en Sibérie. Chaque fois, oh mec, souviens-toi du beau bar que t'as monté, parce que sinon, tu vas te faire crever, quoi. Alors forcément, bon, il y a des journalistes qui débarquent, qui veulent faire des photos, et à un moment donné, moi, ce qui me fait rire, c'est que t'as cette séquence où ils font la photo tous les trois ensemble parce que le journaliste il dit « Oh oui, c'est bon, c'est avec vos deux maris et tout. » Et là, moi, j'ai pris la capture d'écran parce qu'en fait, je trouve cette photo, enfin, ce moment dans le film emblématique. Tu vois Fernand qui est tout sourire. Sa nénette, pas mécontente non plus, elle sourit. Et par contre, tu vois à la tête d'André, c'est à ce moment que tu vois qu'il réalise qu'il a peut-être fait une connerie en accueillant Fernand sous son toit, tu vois. Un peu, oui. Surtout que juste après, ben, non, mais en plus, juste après ça, je sais pas si tu te souviens, mais il dit, une fois que la photo est prise, il dit, ah, oh, puis en plus, regarde-moi ça, ils m'ont tous salopé la salle, parce que forcément, les autres ont débarqué, ont posé tout leur barda et tout sur les tables, en s'en foutant complètement, donc la nappe, elle est à moitié en vrac et tout. Bon,
En tout cas, on peut dire que voilà, son retour au pays, ça fait son petit effet dans le patelin quand même. Hein. Ah bah oui, forcément. Mais je te dis, j'adore cette photo parce que tu vois, Fernand, lui, il boit du petit lait. Sa nénette, bon, elle a pas l'air si troublée que ça. Par contre, ce que j'aime bien, c'est quand ils arrivent à l'hôpital, avant la capture d'écran que j'avais fait tout à l'heure, là, avant celle-ci, tu vois, juste avant, il fait semblant de dormir, tu vois. Oui, et, je me rappelle. Et elle baisse le truc, et là, oh, c'est bien lui, elle commence à pleurer, puis que t'as André qui lui dit, oh, écoute, t'as tellement pleuré déjà quand il a été déclaré mort, maintenant qu'il est vivant, tu vas pas repleurer quand même. Et du coup, c'est pour ça aussi que moi, ce qui me fait halluciner dans le film, c'est qu'elle a quand même une ambiguïté, la nana, tu vois. Oh, bah, complètement. Tout le long du film, elle oui, a cette ambiguïté. Bah, oui. Puis elle dit, ouais, ça va faire jaser dans le patelin. Enfin, en même temps, comment ne pas faire jaser dans le patelin avec un truc pareil? Surtout quand tu vois ça dans le film. Bah oui, c'est effectivement la fameuse pierre voilà, où justement son nom est marqué comme quoi. Mais bah oui. Mais en plus, pourquoi j'ai mis cette photo-là? Parce qu'à un moment donné, justement, on voit le personnage qui est un personnage secondaire, hein, de campé par Galabru, et qui dit hein, « Quand je pense qu'il est là, hein, et qu'il est encore sur le monument aux morts !» Et là, tu as un de ses collègues qui lui répond « Oh ben, avec l'administration, hein, il y en a encore pour un bravo moment !» Et là, ça m'a fait rire, non mais parce que, mine de rien, écoute bien, moi, je me suis fait un parallèle avec cette même administration, mais de nos jours. Alors que le film est censé se passer aux environs de 1955, quand même, donc soit il y a près de 70 ans. Et là, oui. Tu dis, waouh, wow. Bah, c'est bien, il a été vers le progrès, le pays. Non, parce que voilà, on est dans un film qui a été tourné donc en 62 ou 63, si ma mémoire est bonne, qui est censé donc se passer 10 ans après la fin de la guerre, quoi. Donc je te dis, on est aux alentours de 55-60. Et le mec te dit ça. Et moi, en fait, ça m'a fait tilt direct. J'ai dit, putain, bah ouais, c'est la même administration qu'aujourd'hui. Quoi qu'aujourd'hui, c'est peut-être même encore pire, tu vois. Et c'est pour ça que je l'ai prise. Parce que je te dis, déjà, moi, c'est la phrase de Galabru qui me fait rire. Parce que lui, ça, tu sais, ça le dépasse, quoi. C'est quand je pense qu'il est là, hein, puis il montre, tu sais, de l'autre côté du canal, qu'il est là, alors qu'il est toujours inscrit sur le monument aux morts. Et t'as son collègue qui lui dit, oh, ben, peu cher, avec l'administration, il est encore pour un bravo moment. Tu m'étonnes, tu. Ah, ça me fait trop rire. Bon, après, tu as toute la séquence. Voilà, justement, j'ai pris juste un moment parce que ça aussi, ça m'a fait rire. Quand ils retrouvent les copains, mais dans le bar qui est de l'autre côté du canal. Voilà. Parce qu'au départ, oui. Il leur dit mais pourquoi vous y venez pas chez le Normand là-bas? Ah, ben tu sais, on n'est pas trop en honneur de sainteté et tout. Donc, ils sont contents de se retrouver. Et là, ça m'a fait rire parce que c'est la manière dont ils servent le pastaga. Parce que tiens le barman, il prend la bouteille de pastis et brrr, et t'as Fernand de l'autre côté, il part de l'autre sens et blablabla avec la flotte. Et t'en as juste un qui est au bout du comptoir qu'on voit pas là dans cette image qui dit ah non moi je veux un scotch. Et là t'as Fernand qui le regarde ah tu veux un scotch toi. Ben, moi ce serait un pastis parce que le mec tu sais c'est voilà l'autre il a été traumatisé par les ricains qui ont débarqué. En 45, l'autre monsieur s'est mis à boire du scotch. Mais surtout qu'après, ouais. Il le reprend de voler. Parce que là, donc, ils boivent le coup là. Mais lui, c'est ce qu'il dit. Il dit et pourquoi vous n'êtes pas allé le voir, le Normand? Ouais, te raconte, machin. Ah, mais oh, moi, il a été bon avec moi. Il ne me connaissait pas. Il m'a accueilli et tout. Et là, tu vois quand même, tu te dis ah, il n'est peut-être pas tout à fait pourri parce qu'il reconnaît quand même qu'André est quelqu'un de bon. Sauf qu'il débarque en plein service et il fout un way, quoi. On peut le dire littéralement. Un peu, on peut dire ça comme déjà, ça. Déjà, il fout un why. En plus, il se met à pousser la chansonnette. Hein. Elle est belle, elle est mignonne, c'est une bien jolie personne. Que même la belle-mère, à un moment donné, elle dit, elle est compagnon de la chanson, là. Hein. ça crée un... Mais ce qui me fait rire, et c'est la séquence que je vais montrer juste après, c'est que là, il y a Christiane qui arrive. Bam! Oh, Fernand, ça suffit maintenant. Et là, mais... Et c'est là que tu vois quand même que Christiane, la Christiane, elle a l'ascendant sur Fernand. Parce qu'elle arrive, elle tape. Maintenant, ça suffit. Hein. Et là, tu le vois tout penaud comme un petit garçon pris en faute. Non, mais cette séquence est géniale. Ah bah oui. Parce que ouais, d'un coup, et puis ils finissent leur verre. Je suis copain, ouais, chanté. Et puis hop là, tout le monde se carapate, tout le monde voilà, revient à la tranquillité.
Bon, le problème, c'est qu'elle est obligée d'offrir les entrées à un couple qui se casse parce que mettez-moi l'addition. Mais non, c'est pour moi et tout. Parce que, et c'est après, c'est ce qu'elle explique. Elle dit maintenant, on n'a plus la même clientèle. Elle dit en plus, les clients maintenant, ils payent. Et là, tu te dis, ah ouais, d'accord, je vois le genre d'établissement que c'était à la vraie bouillabaisse. L'autre, il faisait pas la cuisine, il était plus souvent à taper les boules ou à faire la sieste, donc forcément, il servait des boîtes. Et puis les Ouais. clients, ils venaient et une fois sur deux, oh, tu mets ça sur mon ardoise. Et l'autre a dû se retrouver avec des ardoises, c'était malade. Parce qu'en fait, tu comprends que non seulement elle s'est remariée, que l'établissement a changé donc de patron, a changé de cuisine, mais a changé de standing aussi. Ah oui, Et je ça, suis mine de pas rien, mal. ça a son importance Ah oui. dans l'histoire. Parce que tu vois bien que la belle-mère, elle préfère largement ce gendre-là à l'autre. À Même si l'autre zigoto. à l'autre zigoto, même si à un moment donné, la saloperie, quand même, elle va lui sortir un truc qui n'est pas très sympa parce qu'elle lui dit, ouais, mais le Fernand, il a fait rire. Vous, vous la faites pas rire. Surtout que voilà, elle est censée le rassurer parce que c'est quand même son gendre préféré. En plus, c'est celui qui n'est pas tire au flanc, tu vois. Ah non, non, elle ne le rassure pas, elle le met dedans, mais direct, en fait. De fou. Ah, c'est vrai que c'est une. Mais c'est de toute façon, même avec son deuxième mari, elle est. D'ailleurs, à un moment où, quand ils sont tous les deux à table, quand il arrive, lui, au tout début, il lui dit d'ailleurs, Fernand, il lui dit, mais parce que c'est elle hein, qui tient la culotte ici. Hein. Non, mais Oui, ben c'est ce que je enfin, dis. Ouais. oui, mais enfin, bon, en fait, tu comprends que oui, quoi. En fait, c'est Mais elle qui dirige, complètement. quoi. Mais Voilà. complètement. Mais d'ailleurs, mais on y viendra après parce que j'ai fait une capture d'écran spécifique justement pour aborder ce point-là. Et après, donc, ben, face à cette situation quand même rocambolesque, ben, il décide de s'adresser à un homme de loi, donc, cette séquence avec l'avocat. Alors, cette séquence avec l'avocat, là, c'est pareil, moi, je trouve ça génial, parce qu'en fait, ils vont voir l'avocat, donc, pour clarifier, ben, comme je dis, hein, une situation La quand même, situation. voilà, qui fait surtout énormément jaser de surcroît dans le patelin, et surtout, 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 qui remet en cause la légitimité d'André en tant que patron de l'établissement. Et ça, c'est très important. Eh oui. Eh oui, Et ah parce que bah oui. là, c'est le moment où il annonce à Christiane, bah, vous êtes bigame. Et alors, ça m'a fait rire parce que là, il dit à André qu'il est un mari putatif. Et moi, tu me connais, je suis quand même quelqu'un qui lit des livres et machin, je connaissais pas ce terme ni une ni deux, je mets en pause et je vais chercher. Et en fait, c'est un terme juridique qui existe. Alors bon, là, j'ai pas le texte de loi, mais voilà, je vous invite si vous voulez en savoir plus. En fait, ça explique ben, la situation dans laquelle il est et ça explique aussi pourquoi ça remet en cause ce que j'ai dit tout à l'heure, qui remet en cause la légitimité en fait d'André en tant que patron. Parce qu'en fait, aux yeux de la loi, vu que son mari n'est plus mort, ben, lui, en fait, il n'est qu'une pièce rapportée, quoi, André. Ah bah complètement là, à ce niveau-là, oui, forcément. Ben, de toute Je manière, voudrais. oui. Vas-y, vas-y, vas-y. De toute manière, c'est à ce moment-là du film. Et pour moi, là, on est dans. Ouais, parce que tu vois, moi, je l'ai vu en trois actes, le film. Pour moi, là, on arrive dans le deuxième acte. C'est-à-dire, ils se rendent compte, là, les deux, là, Christiane et André, que ça va être un sacré parcours du combattant juridique pour se sortir de ce maelstrom, quoi. Et surtout qu'il leur précise bien que ça dépendra en grande partie de la bonne volonté de Fernand. Voilà, alors là, Et là, tu comme m'as dirait barré. l'autre, sont pas sortis du sable, hein. Pas Par vraiment. contre, je t'en prie, tu voulais dire un petit truc, Oui, ouais. je voudrais, parce que tu as bien fait de prendre cette image, parce que le personnage qui est à droite, qui joue l'avocat, qui Oui, est, lui aussi est quelqu'un de c'est connu. Henri Wilbert, et si tu peux, regarde sa filmographie, je te préviens, prépare-toi, parce que tu risques de dérouler pendant un moment. Ah ouais, lui aussi. Bah, tu verras. Comme Henri quoi, hein. Wilbert, accroche-toi, je te préviens. Parce que normalement, le monsieur, c'est plus une filmographie qu'il a, c'est carrément une encyclopédie en 10 volumes. Hein. Ah ouais, à ce point-là quand même. Ah bah regarde, tu verras par toi-même. C'est assez impressionnant. Le monsieur, il a une filmographie. Mais ça fait. Bah, c'est quelqu'un, c'est Bah, comme la quand même. plupart de tous les acteurs et actrices qui figurent dans ce film, hein, c'est quand même Oui, mais impressionnant, hein. ce sont des gens qui étaient très connus à l'époque.
mais qu'aujourd'hui, voilà, on les plus a, personne, on les a oui, plus personne ne connaît. Ouais. On les a complètement oubliés et c'est dommage parce que lui aussi, quand tu regardes sa filmographie, tu te dis mais c'est pas possible quoi. Tu m'as comment dit comment son nom? Alors ça s'appelle Monsieur Henri Wilbert. Henri Wilbert. Ah oui, Maître Sarrazin. En plus j'aime bien Maître Sarrazin, son rôle dans La Cuisine au beurre. Et accroché. Ah ben lui. Non mais lui pareil, théâtre. Bon, t'en as une liste longue comme le bras. Et cinéma. Oh et voilà. Ah, t'arrêtes pas de faire jouer la molette de la souris. Quand... ah, mais par ça contre, fait... je... Alors, je vais y aller pour fendre des têtes, des bras et des jambes à tout va. Je vous souhaite un bon live à tous et encore une fois, vous êtes géniaux. Merci beaucoup. Géniaux. On essaye déjà d'être... voilà. Bah, écoute, nous, voilà. Et puis, non, mais en tout cas, c'est super gentil. D'être précis et dans l'exactitude. Mais en tout cas, ouais, merci beaucoup à toi. Merci. Chère Elena. Et puis, bon cassage de crâne, alors. Bon pourfendage ouais, vas-y, de vas-y. Tête. Flingue-moi tout ça, vas-y. Te laisse pas faire. Quoi. Ouais, vas-y, mord les mollets, vas-y. Et oui, et donc oui, mais c'est vrai, comme tu l'as si bien dit pour le film, là, c'est vrai que là, ils vont vite se retrouver, en tout cas, le pauvre deuxième mari, entre parenthèses, odegeno.bar. Mais bien sûr, le deuxième mari, entre parenthèses, le pauvre se rend compte que ben, avec le Fernand qui est arrivé et qui a tous les droits puisqu'il est le premier. Surtout que tu vois, je disais qu'elle était ambiguë, mais à partir de ce moment-là, je trouve qu'elle devient encore plus ambiguë. Elle se met à plaisanter avec Fernand, machin et tout. Ah, et oui. ça ne plaît pas à André, forcément, mais n'importe qui dans sa situation, surtout qu'en plus de ça, et tu l'as précisé. Il y a un respect à avoir, quoi. Surtout que le gars, il n'est pas revenu depuis 14 ans. C'est pas 4 mois. Hein. Ça fait 14 ans que le gars n'est pas revenu. Et l'autre, il revient et elle, ça y est. C'est comme si de rien n'était, comme s'il était parti la semaine dernière. Tu vois, ouais, c'est ça. Et là, tu dis, oh. Moment, mais non, mais c'est surtout le fait que, tu vois, comme l'avocat leur dit, oui, il va falloir quand même de la diplomatie, du doigté. Mais elle, tu as l'impression qu'elle y met trop d'entrain, tu vois. À laisser traîner, à être diplomate et tout. Je veux bien qu'il faut être diplomate, mais quand même, quoi, au bout d'un moment... Mais tu sais ce que je pense ? À ce moment-là, je me suis dit, en fait, ça l'arrange bien. Bah oui ! Comme ça, elle a un bosseur et en même temps, elle retrouve son mari. Le rigolo. En fait, elle a les deux pièces. Elle a pu se faire un mari. Ouais, en fait, je pense que si elle pouvait faire fusionner les deux... Ça serait parfait. Elle aurait le mec bosseur et rigolo, serait parfait pour elle. Exactement. Et je pense que c'est pour ça. Alors après, c'est pareil, il y a tout un passage que je n'ai pas forcément mis parce que, voilà, on ne peut pas tout mettre, mais qui, moi, m'a fait beaucoup rire, c'est quand le neveu, il s'amuse à les faire chanter. Parce qu'en fait, le neveu, il est en train de parler avec un copain d'école et l'autre, il dit, tu veux qu'on fasse un jeu à la récré ? Ouais, on va jouer à la Sibérie, puis moi, je vais être le lion. Et là, tu dis, ouais, ben mon père, il dit que ton oncle, là, il raconte des conneries parce qu'il n'y a pas de lion en Sibérie. Et là, le gamin, il s'énerve. Et moi, ça me fait rire parce qu'il sort une expression. Alors, je ne sais pas si tu l'as connue parce que je sais que toi, tu as grandi à Marseille, mais qui dit, tu sais, il commence à se battre avec. Et puis, il dit, comment ça, mon oncle ? Et je te mets les deux gros yeux, moi, attention. Je te mets les deux gros yeux. Elle m'a fait rire, cette expression. Ça va typiquement une expression marseillaise de cette époque, quoi. Un peu beaucoup, oui. Je te mets les deux gros yeux, tu vois. Mais rien que des expressions comme ça, dans ce film, ça vaut son pesant d'or. Parce que c'est des expressions qu'on ne dit plus aujourd'hui. Ah bah c'est, non, ça a totalement disparu, quoi. Bah oui, forcément. Après, bon, voilà, comme j'ai dit, j'ai passé pas mal de choses et tout. J'ai quand même pas pu m'empêcher de prendre ça. Alors, c'est pas tant, parce que oui, là, c'est la partie de pétanque, c'est traditionnel, voilà, c'est quand même... l'image d'Épinal hein, du sud de la partie de pétanque, mais c'est surtout parce qu'on voyait mieux la devanture du restaurant, donc on voyait mieux comment était écrit la sole normande. Et déjà c'est pareil, là il a plus fait d'efforts, je trouve, que Fernand, parce que lui, quand tu vois la photo au tout début, c'était juste écrit vite fait, tu sais, un peu comme Pizza Hut aujourd'hui, quoi, à la vraie bouillabaisse. Exactement, petit. Oui. L'autre, il a mis quand même un gros truc. Déjà, il a fait une devanture
façon, donc ça a dû nécessiter quand même l'intervention de maçons et tout ça pour refaire toute la façade. Mais en plus, voilà, il a mis un beau truc. En gros, il a donné envie d'aller dans son resto. Mmh. Alors que l'autre, d'après ce que tu comprends, c'était juste il faisait venir les copains, mais il n'y a pas d'argent qui rentrait dans les caisses, quoi. Bah non. Et je l'ai aussi prise parce que le gars qui est en train de tirer, là, alors déjà, c'est marrant parce que là aussi, tu as tous les clichés. Tu as le mec qui tape les boules, tu sais, tac, 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 pour déconcentrer le tireur. Après, quand t'es là, t'as Fernand, il s'énerve, il dit « Et arrête-toi de taper les boules, là, comme si tu me battais la mesure. » T'as l'autre qui se met à siffler et tout. « Oh, tu le fais exprès ? Tu veux me fâcher et tout ?» Et là, moi, je te dis, d'un seul coup, je suis plus spectateur, je suis dans le film avec eux. Parce que moi, ça, je l'ai connu étant jeune et même moins jeune. Quand tu joues à la pétanque, que tu fais ce genre de conneries pour déconcentrer le mec qui tire, mais ça peut partir, alors ça va pas jusqu'au point, tu vois. Parce que ça se règle. Mais par contre, c'est les grandes gueules. C'est « Oh, tu te fous de ma gueule hein ? Et tu le fais exprès, hein ? Il faut que je tire. » Tu vois, le « exprès » avec un S, hein, pas un X. Hein, nous, « exprès », ça ne s'écrit pas avec un X hein, dans le sud. Bah non. Et ça me fait rire. Surtout que le gars qu'on voit, là, qui est donc prêt à tirer, en fait, c'est le… Ah, comment on appelle ça ? C'est le filleul de Fernand. Oui. Et ça me fait rire, c'est parce que c'est quand la scène où il le retrouve, il dit « Alors, parrain, tu me reconnais ?» Là, tu fais « Oh, Bernard, mais dis donc, tu tournes la tête, t'as un gamin comme ça ou comme trois pommes, tu retournes, t'as un géant. » Non. Et l'autre, il lui dit « Ouais, enfin, tu t'es quand même retourné pendant 14 ans. Hein. » Et là, tu dis « Mais c'est trop ça, c'est la saveur du Sud, quoi. » Parce que l'autre, il lui dit « Ouais, tu te retournes et t'as un géant. Ouais, mais tu t'es retourné pendant 14 ans. » Et là, c'est ses propres collègues quand même, tu vois, qui piquent un peu. Mais oui. pour les parties de, moi je me souviens de parties que j'avais pu voir à Cassis, donc c'est pas loin hein, de Marseille. Je vois très bien. Il y a un truc qui m'avait fait halluciner, je me rappelle, on regardait comme ça, j'attendais le car à l'époque qui partait du centre, et donc j'attendais, je regardais, et il y avait des gars qui jouaient à la pétanque, il y en a un, donc il va pour jouer, et puis d'un coup il s'arrête. Alors, tiens, un autre qui lui dit, et alors, mais qu'est-ce que tu nous fais là? C'est quand? C'est maintenant? C'est demain? Quand? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu tires, tu pointes, qu'est-ce que tu fais? L'autre lui répond, chut, tu vois pas que là, il y a le vent qui me déconcentre, non? Le vent qui me déconcentre. Ah, mais surtout que. Je veux dire, s'il y a du Mistral, mais généralement, quand il y a du Mistral, tu joues pas à la pétanque. Non, mais là, c'est juste une brise qui passait. Oui, une petite brisette, quoi. Ah, ouais, non, mais ça y est, quoi. Mais tu vois pas que le vent, il me déconcentre. Ça m'avait marqué à l'époque, ça. J'ai dit, non, c'est pas vrai, quoi. Mais ça, c'est vraiment le système marseillais, quoi. Je veux dire. Ah bah complètement. Mauvaise foi, quoi. C'est la mauvaise foi par excellence. C'est comme avant. Bon. On dit toujours, tu sais, on dit toujours l'exagération marseillaise, mais il y a aussi la mauvaise foi, quoi. Ah bah oui. Parce que souviens-toi d'ailleurs que là, en fait, ce moment-là, c'est juste avant que André et Christiane rentrent en voiture et ils doivent mesurer le point. Oui. Et que là, tu dis. Bon, arrête tes conneries, il y a une main là. Et là, tu dis, il n'y a pas une main, regarde. Eh ben, mesure-le et tout. Et ça, c'est pareil. Généralement, le mec, quand il te dit, il y a une main, en fait, quand tu mesures, tu te rends compte qu'il y a 2 cm qui donnent le point à la boule qui prend, quoi. Et là, tu dis, toujours. Ouais, ben, ta main, c'est une main de bébé alors. Mais c'est toujours comme ça. C'est génial. Combien de fois quand on jouait à la pétanque, mais ça a toujours été comme ça. Mais pourquoi tu vas aller voir là? Mais c'est pas possible, t'as des œils, tu les vois bien quand même, avec tes œils, tu le vois les choses. Ah ouais, parce que nous, c'était tes œils. Ah, mais c'est là, je l'ai entendu aussi. T'as des œils, mais regarde. Mais tu le vois pas là, mais regarde. Un boulevard, entre les deux. Possible là, mais t'as carrément la Canebière, tu le vois pas là. Que le truc, sérieusement, même si tu le prends avec un microscope, tu vois pas la différence. Tu sais. C'est ça. Quand tu le mesures, le point, tu dis quoi, il y a un ongle, tu sais. C'est génial. Mais c'est pour ça que je voulais quand même mettre cette image, parce qu'elle est caractéristique déjà du film, mais surtout de la Provence. Quoi. Sud, oui, bah, c'est le sport national dans le Sud. Hein. Et ce que j'aime bien aussi, donc, et là, on en vient à l'image que j'ai sélectionnée ensuite, c'est ça. Parce que ben, moi, ce que j'adore dans cette séquence, c'est parce qu'enfin, André fait preuve de caractère, tu vois, il se rebiffe là. Parce que il veut prendre ma truc, il veut prendre ma femme. Surtout que c'est ça qui est quand même fort dans le jeu de Bourvil, c'est que même quand il s'énerve, il te fait rire. Enfin moi en tout cas, même quand il s'énerve. Ah bah oui. Et sauf que là, du coup, comme il sent qu'il a pas ce côté à s'énerver, qu'il est pas crédible,
Ben, il prend, parce qu'en fait, là, ce qui, comment dire, ce qui met le feu aux poudres, c'est qu'il prépare, tu te souviens, il prépare, Fernand se prépare une omelette, et là, lui, il sert, en fait. Et du coup, là, parce que c'est difficile à prendre quand tu arrêtes, mais on voit bien qu'il y a encore l'omelette, et en fait, il dit, ben, tiens, voilà ce que j'en fais de ton omelette, et il la fout dans le truc. Sauf que là, ni une ni deux, parce que, tu vois, il fait ça, mais il le regrette presque aussi sec, parce qu'en représailles, eh ben, Fernand, il brûle le fameux papier qu'il devait signer. Parce qu'en fait, oui, j'ai pas précisé, et je m'en excuse, ben, auprès de toi et des viewers, c'est qu'en fait, avant même qu'il lance la procédure de justice, il faut déjà qu'il soit plus reconnu comme mort. Donc, il doit signer un papier qu'ils amènent ensuite à l'état civil pour le faire ressusciter. Et c'est ce fameux papier qui tient, et c'est ce fameux papier que l'avocat leur avait dit, il va falloir du doigté et tout, parce que s'il n'a pas envie de le signer, et qu'en plus, ce soit lui qui demande le divorce. Et là, elle dit, mais pourquoi ça? Ah oui, qui demande le divorce et sans, comment dire, sans faire en sorte que l'adultère soit reconnu. Parce que tu as même André qui dit, ah bon, bah, on adultère maintenant. C'était bien la peine de se marier, tu vois. Et c'est que des trucs, moi, voilà, les dialogues dans ce film me font trop rire, quoi. Sauf que là, ben ouais, il est tout malheureux quand parce que forcément, il a voulu le pousser, il a voulu le chercher. Et surtout que juste après ça me fait rire parce que t'as Fernand, il jette le truc, puis après il est là, il fait, ah ben il brûle. Mais tout content de lui. Et là, tu vois Christiane qui fait, oh là là, elle lève les bras au ciel, puis elle se barre, elle, tu sais. Mais c'est pas là qu'ils vont se prendre une petite murge là? Mais Ouais. si, tout à fait. Tout à fait. Ben, ça arrive là, en fait. Ça arrive là, mais là, en fait, c'est une scène, là aussi, c'est une scène particulière, parce que, comment dire, en fait, juste avant ça, il s'est passé un truc entre comment ça s'appelle, entre Fernand et Christiane, et c'est à ce moment-là que Fernand, il sent quand même que Cricri, parce que lui, il l'appelle Cricri, hein, diminutif de Christiane, il sent qu'elle va quand même le faire ramer sévère dans sa tentative de reconquête. Et en fait, moi, j'ai l'impression que c'est là qu'il change totalement de stratégie. Parce que d'un côté, il lui sort l'excuse de Dieu pour éloigner un peu plus ben, Christiane d'André. Et de l'autre, il va tenter de corrompre André avec, entre guillemets, sa fainéantise, si je puis dire, tu vois. Pour moi, c'est vraiment là que commence le troisième acte du film. Parce que en fait, c'est là où il lui fait, je sais pas si tu te souviens, mais c'est là où il lui fait le coup de la grande tirade sur la liberté, l'attitude supposément esclavagiste de Christiane à son égard et tout. Mais là où Fernand réalise un coup de maître, pour moi, où il marque réellement des points dans l'esprit d'André, c'est quand il lui dit, mais t'en as pas marre qu'elle te mette le col dur, hein, qu'elle t'interdise de fumer, ou qu'elle te demande chaque jour si t'as pris ton bain. Et là, tu as la réaction d'André qui est géniale, qui dit, mais comment tu sais tout ça, toi? C'est vrai que c'est quand même des détails intimes de leur couple. Donc lui, il reste con. Il dit, mais parce qu'elle me l'a fait à moi aussi. Là, voilà quoi. Et là, le truc drôle, c'est que tu as André voilà, qui a un peu de fierté, qui lui dit, ah mais je ne suis pas esclave, hein. Je fais ce qui me plaît. Et juste après, il regarde sa montre. Oula, Christiane, elle a mis le réveil à 5 heures, hein. Allez, faut aller se coucher. Non, mais c'est ça qui me fait rire, c'est que le mec lui dit, oh, ouais, je suis pas esclave, je fais ce qui me plaît. Puis il regarde sa montre. Oula, tu sais, d'un seul coup, toutes les sirènes se mettent en route parce que, oula, Christiane, elle a mis le réveil. Mais 2 secondes avant, tu viens de dire que tu fais ce qui te plaît, mec. Et Ah donc, c'est oui. là où il trinque. Et alors là, j'ai pas compris. Alors peut-être que c'est dû au montage, parce que là, tu te dis, ils trinquent. Logiquement, ils vont chacun de leur côté, ils vont se coucher. Sauf que non, que nenni. Parce que c'est là le passage. Bah, en fait, oui, parce qu'ils ont déjà commencé à pas mal s'entamer. Et il y a cette fameuse séquence où là, si tu te rappelles bien, pourquoi ils sont morts de rire? Parce qu'ils se confient des détails Oui, coquins, hein, croustillants sur la voilà, Christiane. effectivement. Mais moi, en fait, pourquoi j'ai pris spécifiquement cette capture d'écran? Parce qu'en fait, quand je vois cette séquence, ben, elle me rappelle énormément une certaine autre scène finale dans un certain Le Corgno, Bien sûr. avec De Funès. Bon, Oui, même bien si sûr.
On peut dire que c'est le corneau peut-être qui a fait un clin d'œil à ce film-là, puisqu'il sortira que 2 ans plus tard. Donc voilà, quel film a pu inspirer l'autre, c'est facile à voir. Mais c'est quasiment la même séquence, c'est-à-dire il se raconte des conneries à l'oreille que toi, spectateur, tu n'entends pas, et tu les vois, mais mort de rire. Et surtout, ta Bourville, avec, tu sais, ce rire quand et t'entends juste le petit couic, 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 il est pété de rire qu'il n'en peut plus, quoi. Et alors là, on arrive, moi, à un moment qui me fait rire, parce qu'après, bon, finissent par rentrer, et t'as donc t'as André qui dit hey, on se boit un dernier petit calva avant d'aller se coucher. Et là, t'as Fernand qui lui dit allez, je vais le boire, ton calva. Parce que, ben ouais, calva, c'est calvados, quoi, c'est la boisson de là-haut. Il dit ouais, je l'ai ramené de chez moi et tout. Et là, pareil, hilarité sur cette scène, parce que voilà la tête de Fernand quand il boit le calva. Et t'as André, il est mort de rire. Parce que, ah oui, parce qu'il lui dit tu le bois cul sec, hein. Et t'as Fernand qui fait ah, ok, cul sec, il se démonte pas. Et là, et ça, moi, je te dis, ça me fait rire parce qu'en plus, il y a du vécu pour moi dans cette séquence, il y a du vécu parce que tu sais que voilà, j'ai fait 7 ans à l'armée, j'ai servi pendant 7 ans et nous, c'était souvent quand on revenait des week-ends, tu sais, les mecs se ramènent tous des spécialités de chez eux et tout, et tu goûtes des trucs. Et une fois, il y en a un, il venait de la Creuse, de je sais plus où, eh, mon grand-père, il fait sa goutte lui-même et tout, machin. Là, tu bois ça. En fait, tu te joues à un remake de la scène des bronzés fonds du ski, tu vois, dans le refuge, quoi. Ah ouais, non, mais, ouais. Et tu dis, mais, putain, ou comme disait l'autre, là, je sais plus comment il s'appelle dans Matrix, c'est un double usage, quoi. Ouais, ça dégraisse les moteurs et ça brûle les cellules grises, quoi. Bah oui, tu m'étonnes. Cette séquence, moi, je la trouve géniale parce que, tu dis, le mec, il se démonte pas et après, il fait cette boule, c'est pour ça d'ailleurs qu'André se fend la gueule comme ça, quoi. Bah, tu m'étonnes. C'est génial. Forcément, hein, je vais te dire, tu bois ça cul sec, tu dois être bien, quoi. Hein, je veux dire. Ah ben, bah, t'es plus que bien, à mon avis. Hein. Tu te sens à l'aise, comme on dit, il n'y a aucun problème. Sauf à que mon là, avis, ouais. Vas-y. Sauf que là, je vais te dire, tu peux jouer n'importe quel dragon dans n'importe quel film, là, il n'y a aucun problème. Putain, il n'y a aucun problème. Là, tu peux y aller, quoi. Ah ouais, là c'est du. C'est ah bah costaud, d'ailleurs, je pense que c'était le but, hein. C'était pour aller faire dodo. Il lui dit hein, en boit un dernier avant d'aller dormir. Ça, à mon avis, ça doit te coucher, mais direct. Ah bah, c'est bon. Je pense que là, oui, il n'y a pas de. Ah, ça te couche bien, quoi. Bah, d'ailleurs, après ça, il y a, comment dire, juste après cette séquence, t'as, comment on appelle ça, un fondu au noir. Et après, bah, c'était le lendemain matin déjà. Et le lendemain matin, alors là aussi, pourquoi j'ai pris cette capture d'écran? Moi, ça me fait hurler de rire. Parce qu'en fait, au départ, tu vois la pénombre. Et tu vois un mec raféguer. Et puis la caméra s'approche. Et tu vois que c'est André qui est en train de raféguer sur la caisse enregistreuse qu'on voit là. Et là, t'as Fernand qui débarque. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Et il dit, bah, j'essaye de réparer la... Il dit, avec un couteau. Et moi, de mon temps, je faisais ça avec une fourchette. Et c'est pour ça qu'il a une fourchette là. Qu'il a la fourchette. Et du coup... Ouais, et il dit de mon temps, je faisais ça avec la fourchette. Et en fait, lui, en 2 secondes, il ouvre le tiroir caisse. Et comme ça, ils font même basse sur le truc. Donc, en fait, il est vraiment en train de le pervertir quelque part. Complètement. Le André, quoi. Et ce que j'aime bien, c'est après, c'est cette séquence. Tu les vois. Alors, forcément, ils sont en habit civil, entre guillemets, en tout cas, surtout pour André. Mais encore pareil, tu vois, j'ai pris ce moment-là particulier parce que c'est la bouille de Fernandel dans son personnage. Tu vois, en mode tout content de lui, genre, je suis en train de te le dévergonder. Parce que, je sais pas si tu te souviens ce qu'il leur annonce là, à la Christiane et à la belle-mère. Moi, je m'en rappelle plus, je vais pas te mentir. Et alors? En fait, c'est là où il lui dit, parce qu'elle dit, qu'est-ce que vous faites? Ah ben là, on va à la pêche. Parce qu'en fait, ils ont pris l'argent oui, de ça, la caisse oui. pour aller oui. acheter voilà, du matériel et tout ça. Et à mon avis, pour se mettre pas mal de canons aussi. Et là, il dit, on va à la pêche et tout. Ah d'accord. Mais attendez, c'est pas fini qu'il lui dit. On leur parle des 4 semaines de fermeture annuelle et de la fermeture hebdomadaire le mardi. Mais on est mardi, allons pêcher. Et ça, c'est juste génial, quoi. Parce qu'en fait, là, tu réalises que le mec ne prenait jamais un seul jour de congé dans l'année, non. mais qu'il n'avait même pas un jour hebdomadaire de fermeture, quoi.
L'autre, voilà. Elle le mettait au turbin, mais tous les jours, en fait. Bah oui. C'est pas une vie, quoi. C'est pour ça que quelque part, je dis, il tente de le corrompre, mais je mets des guillemets parce que André, quelque part, il est très content de pouvoir. Oh, bonsoir, Mariella. Excellent ce film. Ah ben oui, je veux. Si on lui consacre un autour du film, c'est pas qu'on l'a détesté, hein, ça c'est sûr. On aurait pu, faudrait qu'on essaie un jour. De te voir. Effectivement, mais faudrait qu'on. De se faire un film qu'on déteste. Un film qu'on déteste complètement, qu'on peut pas encadrer. Moi, je vais être franc avec toi, j'aurais beaucoup de mal à. Déjà, à préparer. Parce que là, même si, comme je dis, il y a des moments où j'ai dû faire des choix, c'était un peu crève-cœur et tout. Voilà, c'est un film que j'aime sincèrement, tu vois. Alors que, après, bon, si tu me dis je le prépare, mais même en termes d'échanges qu'on pourrait avoir durant la soirée et tout, ce serait compliqué. Tu sais, voilà, c'est con, hein, mais c'est comme si on faisait un autour du film sur les vengeances de Maître Poutifard. Oh oui, oh oui, 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 je veux, je faisons veux, ça, je faisons veux, ça. Je veux. Non, non, en fait. Non, mais non. Non, c'est non. Non, il y a des limites à tout quand même. Ah, puis au bout d'un moment, je pense que ça se ressentirait tellement qu'on peut pas s'encadrer le film que voilà. Tu veux qu'on fasse la pire contre-performance de la chaîne depuis la création, en fait. C'est ça. Et c'est là où on a 20 000, tu sais. 20 000 vues en une heure. Et là, tu mais il y a un problème là. Qu'est-ce qui se passe alors? Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Pour ceux qui auront la référence, hein, bien sûr, je précise. Et donc, voilà, ben, donc ils partent à la pêche. Alors là, c'est pareil, il y a quelques petites séquences qui vont se suivre. Il y a toute la séquence de la pêche. Il y a une autre séquence où il y a Christiane qui va bronzer. Enfin bon, voilà, je vous passe tous ces détails-là. Comme on dit toujours, on n'est pas là pour faire de l'analyse image par image. Hein. Comme disait l'autre, si vous voulez en savoir plus, ben regardez le film. Mais ils finissent par en arriver en fin de journée à aller à la petite guinguette du coin. Je pense que c'est comme ça qu'on appelait la guinguette, quoi, le troquet, quoi. Où en fait, ils boivent un coup et puis il y a de la musique. Et là, donc, Fernand, il demande une danse à Christiane. Voilà. Et pendant qu'ils sont en train de danser, alors. Je mets la séquence, voilà, je mets la capture d'écran, voilà, mais j'ai pris mes petites notes. Donc, en fait, là, ce que j'aime bien, c'est que c'est la phrase qu'il dit à Christiane. Parce que, tu vois, le fait qu'il ait partagé des moments, moi, je pense, enfin, moi, c'est comme ça que je le vois, tu me diras après, toi, ce que tu en penses, mais le fait qu'il ait partagé des moments privilégiés et complices avec André, bah, quelque part, il a fini par s'attacher à lui. Il a fini par la voir à la bonne, comme on dit dans le Sud, tu vois. Mmh. Et il confie même à Christiane, lors de ce tango, parce que la danse qu'il partage, c'est un tango, il lui dit franchement, André, c'est quelqu'un de bien pour toi, de mieux que moi. Et là, Christiane, elle n'en revient pas. Elle dit, oh, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es malade? La première réaction, elle se dit, il se fout de moi. Et là, il lui sort le papier, il lui dit, non, et pour te le prouver, voilà. Et là, il lui dit, c'est le papier signé. Eh oui, c'est le papier signé. Donc forcément, elle est super contente. Et tu vois, elle l'étreint. Parce qu'enfin, elle va être libérée de cette situation complexe. Sauf que malheureusement, sauf que le André, lui, il est témoin de cette scène. Et, oui. Et voilà, la tête qui tire. Et là, pour lui, quand il voit ça, c'en est trop, quoi. Bah, il y a de quoi. Là, pour lui, c'est la goutte d'eau, quoi. Mais bah, parce qu'en fait, il la voit comme ça, déjà, qu'ils dansent, ils ont l'air complices, machin et tout. Et derrière, pour lui, ça c'est pas une étreinte innocente parce qu'elle est contente, parce qu'il lui a des... Non, pour lui, c'est carrément, il partage un baiser, machin et tout. Donc, lui, il craque. Et à partir de là, il se tire, mais pas n'importe où. Direction, par chez toi, là-haut. La Normandie. Ah, mais lui, c'est sa Normandie d'origine. Et on en arrive ici. Alors, oui. Là, c'est pareil. Hein. C'est pas une. Comment dire? C'est pas un moment emblématique. Moi, je l'ai juste pris parce que toi, elle doit beaucoup te parler, cette image. Déjà, le petit. Surtout que je sais où c'est. Ah bon, ben, tu vois. Parce que c'est quoi? C'est un ancien lavoir? C'est quoi, là, qu'on voit le truc?
Non, pas du tout. C'était là où se mettait le marché. Ah, marché couvert, ouais, d'accord. D'ailleurs, le truc existe toujours, hein. D'ailleurs, dans cette séquence, parce que là, c'est toujours pareil, c'est dommage qu'on puisse pas mettre des fois des extraits, on voit qu'il a le parapluie, mais la capture d'écran que j'ai fait ne rend pas honneur à la chibrade qui tombe, quoi. Et c'est là que tu comprends pourquoi, ben ouais, dans votre pays, ils font des marchés couverts, quoi. Mais avant, mais plus maintenant. Ah ben, tu vois, on a quelqu'un qui connaît bien le film, parce que oui, effectivement. Mais c'est vrai que le petit, j'en ai pas trop parlé, parce qu'il y a tout un délire aussi où il fait chanter Fernand et où il fait chanter André, et à chaque fois, il obtient 500 francs. Là aussi, c'est vrai que pour des gens même de ma génération ou de celle d'après ma femme, se disent, putain, le gamin, il demande 500 francs. Ouais, mais c'était des anciens francs. Ça doit Oui. être à peu près 5 ou 10 balles que nous, on a connu dans les nouveaux francs, tu vois. Mais oui, il fait chanter les trucs. Et après, quand même, parce que même lui, on voit le gamin que pour lui aussi, c'est pas normal. Que voilà que sa tante et son tonton ils soient si proches alors qu'il est censé être avec qu'elle est censée être avec Oui. et là c'est effectivement c'est bien ce que dit Mariella, le petit lui dit moi je t'aime bien mon tonton André. Ben oui, mais malgré que le gamin lui dise ça parce que d'ailleurs quand ils reviennent ils disent mais il est passé où André? Et le gamin il lui dit ah ben il en a eu ras le bol. C'est le gamin qui prend sa défense et c'est pour ça qu'ils comprennent. Et surtout t'as Fernand qui dit oh non, il n'a pas compris ça quand même. Parce que lui, il fait la soudure directe. Direct, il comprend que bah, il a fait une mauvaise association dans sa tête et que la susceptibilité l'a poussé, l'a chauffé à blanc et qu'il est parti, quoi. Et c'est pourquoi bah, on le retrouve après dans cette séquence où il débarque, on le voit, hein, 30 km de Rouen. Mais alors attends, parce que là, je m'arrête 2 secondes, si tu me le permets. Je t'en Parce prie. que j'ai vu dans la fiche Wikipédia du film qu'il y a une partie du film, donc c'est pour ça que tu me dis tu connais, parce que ça a été tourné dans l'Eure. Et Oui. notamment au Noyer en Ouche et à la Ferrière sur Risle. Je ne sais pas si on prononce comme ça. Hein. Alors l'endroit là, c'est le Noyer ou c'est la Ferrière? Ni l'un ni l'autre. Oh, bon, d'accord. Bon, ben, la fiche Wikipédia, les gars, faudrait la Non, mettre à mais. jour. Hein. Après, ça a été tourné, mais c'est là, je peux t'affirmer, je sais où c'est. Mais c'est pas important, important. Oui, non. Non, ce qui est important, c'est ce qui arrive là. Moi, c'est ce qui me fait rire. Parce qu'il finit par le retrouver et le mec, il est en train de tailler un arbre. Bah Il oui. chivre comme pas permis. Et en plus, il a fait un espèce de système pour attacher le pébroc. Mais qui sert à rien, pébroc. Parce que, bon, j'ai pas placé pareil. Parce qu'après, je me suis dit, ça va faire trop alourdi si tu prends plein de Oui, captures bien sûr. d'écran. Bien sûr. Mais à un moment donné, tu vois donc champ contre champ, puisque tu as André qui s'exprime, Fernand qui lui répond et tout ça. Et tu vois une séquence, j'aurais voulu le prendre, mais ça rendait pas, tu vois. J'ai fait au moins 10 fois l'essai, parce qu'en fait, tu vois carrément une espèce de flaque dans le rebord Oui. du chapeau d'André, mais Totalement. carrément comme si c'était un seau de flotte qui Oui, je tournait. sais, Et là, ouais. tu dis, ouais, putain, le parapluie, il sert à rien, Absolument quoi. rien du tout. Bref, donc là, t'as Fernand qui essaye de lui faire comprendre sa bonne foi, comme quoi ce qu'il a vu, il s'était mis des idées en tête. Surtout ce qui me fait rire, c'est quand il lui dit hey, alors tu me fais faire 1 000 km pour même pas me recevoir et machin. Et là, t'as André qui le regarde, il dit, je ne t'ai rien demandé. Mais hyper, hyper méprisant et tout, quoi. Bah, c'est vrai que tu te dis, il a quand même fait la démarche de faire. On regarde, on en parlait en début de film et la boucle quelque part sera bouclée. Faut quand même se les taper à cette époque-là. Les près de 1 000 km entre Martigues. Puis comme on l'a dit, tu es obligé de faire un changement à Marseille. Après, tu prends une grande ligne. Tu as certainement d'autres changements à faire parce que bon, ça n'arrive pas tout 50 de suite. Hein. Voilà. Voilà. Le mec, ouais, on peut au moins lui reconnaître que. Il a fait en toute sincérité. Et Ah après, ben, donc, Dieu qu'on soit. pareil que j'ai fait sur Stargate, il y a un petit épilogue, mais là, on est à 5 minutes de la fin du film. Mais le petit épilogue, j'ai pas envie d'en parler parce que je préfère laisser, tu vois, comment dire, La le découverte, la plaisir de la découverte. découverte pour ceux qui n'auraient pas vu le film, voilà. Et s'il vous plaît, ne spoilez pas dans le chat, même si vous en aviez envie.
Ça, c'est. Je savais que ma langue allait fourcher là-dessus. Je parle depuis près de 2 heures et quart. Sachez juste qu'au final, nos deux protagonistes finissent ainsi. Et là, cette scène me fait trop rire parce que si tu te souviens, ils sont en rythme. Hein, oui. Y a André, lui, il est avec le petit hachoir à comment on appelle ça, à fines herbes. Là. Enfin, il lâche des fines herbes. Et lui, il est avec le truc. Mais tu vois à leur bout qui sont pas jouasses, quoi. Sauf que même si voilà, ça se, on voit cette dernière image où ils sont pas jouasses, mais ça se termine non sans un grand éclat de rire. Et ça, c'est l'image finale du film. Ouais. Et moi, je trouve que voilà, parce que malgré tout, juste avant, ben, comme je dis, hein, tu les vois, ils sont vraiment pas jouasses. Là, pareil, je crois qu'il lui dit une connerie à l'oreille. Oui, c'est à l'oreille qu'il lui dit un truc ouais. Et ils se mettent mais parce qu'à mon avis, ils ont encore prévu de se carapater ou un truc comme ça. C'est obligé. Et là, ils se fendent la gueule. Et puis, ben, comment dire, c'est même pas, comment on appelle ça en cinéma, c'est même pas un fondu puisqu'ils arrêtent. En fait, ils stoppent l'image. Ouais. On voit l'image arrêtée comme ça, la musique du générique de fin. Et puis après, ben, voilà. Fin. Et en fait, fin, ce qui me fait rire, pourquoi je l'ai pris, parce qu'en fait, tu vois une marmite qui est en train de cramer. Oui. Ouais, elle est en train de brûler sur le feu. Et moi, je me dis, tu vois, avec mon cerveau malade, j'ai extrapolé, je me dis, en fait, cette marmite qui est en train de cramer, c'est la conséquence de ça. Oui. Là, ils ont prévu de faire un coup de Trafalgar aux femmes. Et de se barrer. De se barrer et puis de laisser ça quand même. Ouais, et de se barrer et de les laisser en galère, quoi. Mais exactement. Exactement. Mais c'est génial. Mais franchement, c'est trop génial. Quoi. Mais c'est vrai que quand on voit la scène comme elle est là, et oui. C'est ça qui est voilà. On pourrait croire que tout se passe bien, tout est parfait dans le meilleur des mondes. Ben non, alors, en fait. Parce que dans ce petit épilogue de 5 minutes, il se passe quand même quelques trucs. Dont oui, non, mais. Un petit retournement de situation finale qui est quand même fabuleux, mais on va pas le dire parce que sinon ça gâche un peu la fin du film, le plaisir de la fin du film, tu vois. Mais je parlais plutôt au niveau des acteurs, si tu veux. Oui. Où tu les vois se marrer comme comme de la roue en foire, alors qu'en fait, ben oui, on en avait parlé hein, d'ailleurs. Il me semble qu'on avait. Amour, hein. Ben il me semble qu'on l'avait évoqué dans le. Dans le live. Oui, bien sûr, spécial Bourville. Oui. Alors, du coup, non, là, je vais remettre ça, voilà, pour qu'on conclue. C'était malheureusement, on peut dire les choses en face. Hein. Le Fernandel, ne se prenait pas pour une merde, quoi. Il n'y a pas d'autre mot à dire, quoi. Il essayait toujours de se mettre en avant, quoi. Et on le voit d'ailleurs, je m'adresse à nos viewers. Si vous avez la curiosité d'aller voir un peu des images d'archives, des interviews qu'ils ont pu faire et tout, on voit que le Fernandel, il essaie toujours de passer devant le Bourville et tout, se mettre lui en avant, quoi. Ah, mais complètement. Alors qu'à l'époque, Bourville était aussi connu que Fernandel. Mais oui, mais en fait, c'est ça. Oui, mais c'est ça le problème. Parce que, en fait, on l'avait évoqué dans le. Mais t'as raison d'en reparler parce que c'est important. Bourville, pour lui, c'était pas un simple tournage lambda. Il rencontrait enfin son idole, il allait tourner à ses côtés. Mais j'ose même pas imaginer la déception qu'il a dû avoir. Parce que là, tu vois, ils mettent dans l'anecdote, ils mettent à la grande surprise de Bourville. Mais humainement, il a dû être blessé. Parce qu'en fait, il l'a traité comme un débutant. Oh, et oui, non comme une co-vedette, quoi, tu vois. Alors qu'il était autant une star que. Bah oui, non mais après, même dans les interviews, il lui passe devant, il lui coupe la parole systématiquement et tout, c'est insupportable quoi. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils vont. Ils n'ont plus jamais. Ils n'ont plus jamais retourné ensemble quoi. Non, c'est terminé, c'est fini. Bah, qu'est-ce que tu veux. Mais il ne faut pas croire, hein, le Fernandel, c'était pas un saint, hein, le gars. Hein, loin de alors, cela dit, et ce sera ma dernière anecdote, enfin, sauf si toi après tu en as. Mais moi, c'est la dernière que j'ai réussi à glaner parce qu'il y a une anecdote et tu vas comprendre pourquoi je dis cela dit. On pourrait croire que justement Fernandel a encore fait sa star et tout, mais en fait, il faut savoir que quand le projet du film il est lancé tellement à la va-vite sur la seule idée en plus à la base de réunir Fernandel et Bourville, quoi.
Et en fait, quand le tournage commence, ben, le scénario, il est inachevé. Ce qui fait que les deux acteurs, quand ils commencent à tourner dans le film et tout, ils constatent des incohérences par rapport à ce qu'on leur faisait jouer. Et au bout d'un moment, en fait, Fernandel va rentrer dans une colère, mais terrible, et il se casse. Il se casse et il menace carrément de ne plus revenir sur le... Et le tournage est quand même arrêté pendant 4 semaines. Alors là, on pourrait dire, voilà, si on n'avait que cette partie-là de l'anecdote, dire, ouais, il a encore fait... Mais non, parce que quelque part, il a raison, quoi. Tu fais venir... Non, mais tu t'imagines, parce que sans, voilà, en faisant nonobstant de ce côté un peu trop « je me mets en avant » et tout de Fernandel, tu fais quand même venir deux poids lourds sur ton film, Fernandel et Bourvil. Et quand les mecs disent, ouais, mais la direction, ouais, mais attendez, on n'a pas fini, ouais, c'est bon, on va l'écrire. Tu sais, t'as vraiment l'impression que les mecs, ils ont embrassé les thèses du film, quoi. Ils sont en train de taper la boule au lieu d'écrire le scénario, quoi. Tu te dis, en fait, ce qui s'est passé pour ce film, c'est que ils voulaient ces deux stars, entre parenthèses, mais derrière, ils n'avaient rien, quoi. C'était le château de cartes, ils n'avaient rien, quoi. C'était, d'ailleurs, ils étaient sur du sable, il n'y avait rien du tout. Et tu as d'autant plus raison que d'ailleurs, au bout de 4 semaines, quand le tournage, une fois le scénario réécrit, comme le réclamait Fernandel, le tournage reprend, mais avec par ailleurs une nouvelle actrice principale. Parce que, en fait, au départ, elle n'avait pas été castée, Claire Maurier. Non, mais je. Ah, mais elle a été castée entre temps. Non, mais ça veut dire que le truc, il était vraiment bancal, quoi, tu vois. Complètement. Et heureusement qu'il a... Non, mais là, pour le coup, je veux dire, heureusement qu'il a eu cette saine colère, comment ça s'appelle, Fernandel, parce que sinon, mais il courait à la catastrophe. Enfin, je veux dire, c'est mais pas parce totalement. Que t'as deux têtes d'affiche, si t'as pas un minimum une histoire qui tient la route, tu peux pas te contenter d'un truc sur un post-it, quoi, tu vois ce que je veux dire. C'est juste pas possible, en fait. Non, mais là, ils se sont dit, on a deux super vedettes, et puis ça suffira, voilà, pour le film, ça suffira. Non. Ben non. Parce que surtout à l'époque, maintenant, de toute façon, on te met deux, enfin voilà, enfin, passons. Mais ça ne marche pas, ça ne marche pas. À l'époque, ça ne marchait pas comme ça, donc si tu n'avais pas un minimum, pas déconner, quoi. Puis surtout là, tu as vraiment l'impression qu'on te parle d'un film qui s'est tourné il y a 2-3 ans, où les mecs le prennent par-dessus la jambe. Non, c'était une autre époque, quoi. Tu leur faisais pas ça, pas à deux immenses stars comme ça, quoi. Bah, c'est en mode, ouais, mais vous aurez le script au fur et à mesure. Ben non, en fait. Je veux savoir ce que je vais jouer de début à la fin, quoi. Arrêtez les conneries, quoi. C'est où vous allez, les gars. Vous allez fumer ou quoi? Bah, le truc, il est là, mais comme on disait, de toute façon... À mon avis, ils avaient un peu trop abusé du pastaga. Hein. Mais comme on avait dit pour les grandes gueules, c'est vrai, les grandes gueules, quand tu voyais les mecs, c'était quand même et Bourvil, il y avait Ventura, mais les mecs mangeaient, c'était la cantine, tu vois ce que je veux te dire? Les mecs, ils tombaient des cordes parce qu'ils ont eu un temps de merde. Mais, tu l'avais expliqué, ouais. Mais c'était la cantine, c'est-à-dire tout le monde bouffait la même chose, toi, voilà, c'était... Maintenant, tu le verras plus. Maintenant, c'est la star, quoi. Attends, tu plaisantes, tu vois Franck Dubosc manger avec... Avec les figurants. Avec les figurants, les manants, là, non. Soit en sérieux. Jamais de la vie. Voilà. Ah, ces mecs-là, ils avaient un autre... Voilà, c'était pas pareil. Donc, je conçois qu'effectivement, il y avait de quoi, pour ce film-là, il y avait de quoi gueuler, quoi. Ils sont arrivés, c'était vraiment... Mais ça n'empêche pas que Fernandel considérait l'autre comme un petit débutant... Et c'est ça, il l'a traité vraiment comme un débutant. Ouais, bah attends. Et là, tu dis. Mandel, mon gars, hein, quand même. Hein. Tu vas ouais, mais il y a quand même Bourvil. Ouais, mais surtout, mais voilà, il y a Bourvil. Et lui, il avait déjà. Il était déjà au sommet aussi, quoi. Ah oui, c'est pour ça. Attends, tu. Ouais, mais je pense aussi. Ah, là, j'extrapole. Mais je pense que peut-être le fait que Fernandel avait commencé sa carrière plus tôt, ça lui était peut-être monté au cerveau, tu vois. Se disait, c'est moi, quoi. Ah non, parce qu'en fait, si tu fais le film tout seul, il n'y a plus de film. Tu vois, le film est un succès parce qu'il y a toi et il y a Bourvil. Il n'y a pas toi tout seul, en fait. Oui, mais parce que Fernandel, si on regarde bien, il avait très souvent des films où il était la vedette. Eh oui, malheureusement. La vedette. Et là il est co-vedette et ça ne passait pas, quoi. Et non. Alors que Bourvil, de son côté, lui, bon, voilà. Mais là, non. Comment Fernandel partager l'affiche, non. D'ailleurs, parce que bon, là, je ne l'ai pas pu le mettre dans l'émission, mais j'ai vu une affiche de l'époque. Fernandel est écrit avant Bourvil. Il y a marqué les deux géants du rire, mais en dessous, le premier nom qui apparaît, c'est Fernandel. Et à mon avis, ça, pour lui, c'était non négociable, tu vois.
que son nom apparaisse en premier. Mais tu sais, ça me fait penser dans un registre totalement différent, et c'est ça qui est marrant, c'est que tu prends deux superstars, mais là par contre, là on parle de monstres absolus, hein. Même si, attention, ça n'enlève en rien, je vais te dire, tout le talent démentiel de Fernandel et de Bourvil. Mais je me souviens pour La Tour Infernale, le film, où tu as quand même une distribution qui flingue absolument. De malade. Voilà. Et tu as d'un côté Paul Newman et de l'autre côté Steve McQueen. D'accord. Et Steve McQueen est allé voir la prod en disant « Ok, je partage l'affiche avec Paul Newman, mais sur l'affiche, il faut que je sois à côté, que les lettres soient aussi grosses les siennes que les miennes. » Et ça va, attends, ça a été plus loin. « Je veux avoir dans le script le même nombre de mots à dire à l'écran que lui. » Oh mon Dieu. Après, le problème, c'est vrai qu'on parle souvent de l'ego des acteurs et il y en a, ça devient trop le problème d'ego. Juste une petite chose, si tu me le permets. Fini de parler du film, non mais magie, je vais repasser du noir et blanc à la couleur. C'est magique, hein. Qu'est-ce qui... Oh là, c'est incroyable. Vous pensez faire la saga Don Camillo? Compliqué quand même, hein. Alors, tout ce que je peux te dire, Pat, tu vois, j'ai mon petit carnet qui est là, hein, c'est avec les choses que l'on va faire. C'est pas que je veux pas, hein, Pat, mais on est booké jusqu'au 30 juillet. Eh oui. Eh oui, mine de rien. Enfin, et crois-moi, hein, c'est pas une mauvaise volonté de notre part, mais non. Tu vois, par exemple, en mai, on a quand même deux vendredis de prix. Je sais que tous les mardis, on fait donc autour du film, mais on a quand même, en mai, on a deux vendredis de prix. Un, parce qu'on va faire un spécial Labyrinthe, donc les fameux trois films, et puis on va faire un spécial Alexandre Astier. Donc tu vois, ça fait déjà... Voilà. Et puis en juin, il ne faut pas croire, en juin, on a aussi des choses à faire, et jusqu'en juillet. Donc tu vois, ce n'est pas qu'on ne veut pas, hein, attention, hein. Loin de cette idée. Et puis, tu vois, tu as Mariella qui nous dit aussi, c'est fou ces exigences. Mais oui, mais on est d'accord que c'est fou, mais il y en a, c'était comme ça. C'était... Le melon, quoi. Après, est-ce que c'est vraiment un défaut? Parce que déjà, quelqu'un, pour choisir le métier d'acteur, il faut déjà avoir un sacré ego. Hein, c'est pas donner à n'importe qui... De se mettre en scène, déjà d'apparaître, parce que comme on disait, eux la plupart avaient fait du théâtre ou du music-hall et ils avaient été face à du public. Déjà faut avoir une sacrée paire de... Et l'ego joue un rôle aussi, hein. L'ego joue un énorme rôle, mine de rien. Mais dans, je ne sais plus. Alors c'est un bien mais c'est un mal aussi si l'ego devient trop surdimensionné. Alors le problème des divas comme Maria Carey, Whitney Houston qui pouvaient pas se sentir alors qu'elles devaient chanter ensemble dans Le Prince d'Égypte. Oui, mais... Je ne savais même pas qu'elles avaient chanté ensemble. Si, un autre exemple, Pat. Je ne me souviens plus du film. C'est un film avec Madonna. Madonna a exigé deux choses. Premièrement, elle voulait que la chambre d'hôtel, la suite d'hôtel, soit repeinte en blanc. Et elle voulait tout en blanc, c'est-à-dire les meubles tout en blanc, mais il fallait qu'il y ait un vase avec des fleurs, écoute bien, Pat, avec des fleurs, des roses, trafiquées, il fallait que les roses soient vertes. Voilà, ça c'est le truc de Madonna, c'était comme ça, c'était pas autrement. Il y en a eu d'autres, hein. Souviens-toi, on l'avait... On l'avait évoqué, Klaus Kinski sur Fitzcarraldo. Le mec avait des exigences de diva. Tout le monde, toute l'équipe du film et tout, il dormait dans un petit village d'autochtones près de la forêt, machin. L'autre, il exigeait un hôtel alors que ça lui prenait du coup 2 heures, je crois, pour venir sur le lieu de tournage et 2 heures pour repartir. Mais c'est une dinguerie, quoi. Rien que le temps que tu perds pour faire... Ah, mais monsieur voulait son hôtel, machin et tout. Tu vois, c'est des exigences de... Où on l'a évoqué aussi sur Stargate. L'autre, il avait fait un film parce qu'il avait été cité à l'Oscar. Celui qui fait l'antagoniste, Ra. Le mec, je veux $1 million. Mais en plus, lui, le pire, c'est qu'il n'était pas connu. C'était rien, c'était personne. Et le mec, ils ont dit, ouais, banco, $1 million.
Waouh! Ah ouais, ok. Mais on peut remonter très loin, Bah Cléopâtre. oui. Oh mon Cléopâtre Dieu. avec Elizabeth Taylor et Richard Burton et Rex Oh mon Dieu. Harrison. Et Rex Harrison, en fait, à un moment, a boudé. Cela me dit quelque chose, le truc de Madonna, Patrick. Et malheureusement, oui. Mais je peux t'en citer une autre d'anecdote, pas avec elle, mais avec Barbara Streisand, c'est pas mal non plus. Et donc, Cléopâtre avec Elizabeth Taylor, Richard Burton et Rex Harrison. Un jour, Rex Harrison arrive et voit la caravane de Richard Burton et puis la caravane d'Elizabeth Elisabeth Taylor. Taylor. Et là, le gars appelle un technicien et fait mesurer la caravane des deux et se rend compte que la sienne est plus petite de 18 cm. Il a 18 fait un centimes. scandale. Il a dit, j'arrête de tourner. Il voulait se barrer. Et ils ont été obligés de lui faire une caravane qui était 23 cm plus longue que celle des deux autres. Non mais. Ah, les égos, là, c'est plus un égo surdimensionné à ce niveau-là. Ah, tu veux un autre Par contre, attends, avant qu'on Vas-y, je continue t'en sur prie. ces anecdotes, parce Oui, que bien j'en sûr, avais bien une sûr. dernière sur le film. Mais non, parce Vas-y, bien que tout à sûr. l'heure, on a évoqué le fait que Gilles Grangé était un grand réalisateur et qu'il avait fait beaucoup de cartons en termes de comment dire, de nombre d'entrées. Bien Mais sûr. il faut savoir, et ce sera la dernière anecdote que j'ai sur le film, parce qu'après, ma besace est vide, mais il faut savoir que ce film, La cuisine au beurre, est devenu à ce moment-là et restera jusqu'à la fin de sa carrière son plus gros succès avec 6 397 000 Plus de entrées. 6 millions d'entrées, oui. Plus de 6 millions d'entrées pour un film sorti en 63. Moi, je dis chapeau, quoi. Comme Ben quoi, oui. réunir Fernandel et Bourvil, oui, ça, le truc était porteur quand même. Ben évidemment, tu parles quand même de grosses, grosses, grosses stars françaises, Grosse donc pointure, forcément, ouais. Ben, allez, ça paraît là, du coup, voilà. Non, mais c'est pour dire que acté. c'était quand même un mec, je l'ai cité en début de live, qui avait fait quand même des gros, gros succès en termes de box-office, sur beaucoup de films de sa carrière, sur près d'une quinzaine. Mais voilà, son plus gros succès, restera, ben, du coup, à la postérité, La cuisine au beurre, avec plus de 6 millions d'entrées. Et je trouvais, voilà, important aussi de préciser qu'on n'a pas parlé d'un petit film. Déjà, de par la présence de ces deux monstres sacrés, et d'autres rôles secondaires, mais non moins des mecs avec des carrières longues comme le bras. Mais en plus, voilà, c'est quand même le plus gros succès de sa carrière. Donc voilà, s'il y avait un film qu'on se devait de traiter de ce monsieur, c'est bien celui-là, quoi. Voilà, c'était Bien tout ce sûr, que je voulais rajouter. bien sûr. Mais pour revenir justement, Pat, et puis pour Je Marielle vous là laisse aussi, il faut deux savoir, minutes. Je vais à un endroit où vous ne pouvez pas aller pour moi. il faut savoir que Barbara Streisand, lorsqu'elle, alors je crois c'est Nuts, hein, mais enfin, cinglé pour ceux qui auront la référence. Elle a exigé d'avoir tous les jours, écoutez bien parce que c'est quand même assez hallucinant, il fallait qu'on lui apporte du lait d'aînesse qui était à température de 18,02 degrés. Voilà, 18,02 degrés. Hein, voilà. Elle ne voulait pas plus parce qu'après, elle mettait un thermomètre, elle vérifiait. Et je me souviens qu'elle avait poussé une gueulante un jour parce que justement, déjà, ce n'était pas du lait d'aînesse et qu'en plus de ça, la température de son bain était, je crois, un peu plus chaude d'un degré ou deux. Et elle avait poussé une gueulante, un truc, mais de malade. Elle avait envoyé balader tout le monde parce que comment, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ils sont un paquet de gens comme ça, on les voit, ils ont l'air un peu simples, je dirais. Alors c'était le cas, hein, ça a été le cas d'autres personnes, mais c'est vrai qu'il y a certaines stars, ou certes, oui, on va dire des stars quand même, il faut le dire, qui malheureusement ont eu lors de leur carrière, ou du moins oui, ils ont eu des prétentions ou du moins des exigences un petit peu farfelues, quoi. Mais il y en a plein, il y en a plein, plein, plein comme Ah, là, ça, on est au-delà du malheureusement. farfelu quand même, hein. Jusqu'à aller Oui, mais. calculer les degrés et tout, parce que j'écoutais quand même ce que tu Ouais, non, disais non, non, pendant que mais je faisais tout l'inverse, mais c'est c'est. dinguerie, quoi. Ah, Et mais parce Mariella que. qui dit, oui, Patrick, ces gens-là, c'est caprice sur caprice, c'est une dinguerie. Ouais, mais alors, je suis d'accord, mais à l'arrivée, il livrait quelque chose.
Tandis qu'aujourd'hui, ils ont gardé les caprices et derrière, le résultat, voilà quoi. Parce que reconnaît quand même que Cléopâtre, c'est un monument. Oui, alors Val Kilmer voulait un. Oui, ah bah oui. Val Kilmer voulait un papier cul spécial sur le tournage de L'Ombre et la Proie. Ce papier était amené en avion. Oui, je l'avais plus ou moins entendu ça. Mais, ça, aussi, ça fait quoi. Partie. Mais à côté de ça, par exemple. Alors, il faut savoir pour Fernandel. Fernandel était très ami avec Gabin. Et justement, je crois qu'ils avaient plus ou moins des terres ensemble, parce que justement, ils considéraient que la pierre pouvait disparaître, la terre, elle resterait de toute façon, et c'est pour ça qu'ils étaient des terriens, un petit peu d'ailleurs comme Louis de Funès pouvait l'être aussi de son côté. C'était des gens qui avaient Gabin ou Bourville, ouais, c'était des gens qui avaient quand même, voilà, mais c'était des gens qui n'avaient pas la grosse tête, c'est-à-dire que c'était des gens. Ils savaient la valeur qu'ils étaient, ce qu'ils valaient, mais par contre, ils n'avaient pas la grosse tête lors d'un tournage, une fois encore, que ce soit Bourville, Noventura, même Jean Gabin, etc. C'est des gens qui restaient, qui pouvaient discuter avec n'importe quel technicien, avec n'importe quel. Voilà. Il n'y avait pas ce côté superstar. Alors, je ne dis pas que ça n'existait pas à l'époque, hein, il ne faut pas se leurrer non plus, mais je trouve que c'était peut-être un petit peu moins too much qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que certains qui, parce qu'ils ont fait un succès, ils n'en peuvent plus, je ne nommerai personne, mais disons qu'il y en a, il y a un entre autres, parce qu'il a eu un succès qui a cartonné, l'histoire avec un handicapé, et qui a cru qu'il était capable de tourner dans les plus grands blockbusters américaines. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs, puisqu'il a même tourné, il est en co-vedette, hein, de toute façon, on le sait, en guest stars, comme on dit, dans un film de dinosaures où on doit le voir 2 minutes 45 dans tout le film. Donc, ouais, à tout casser. Je vous les ai mis. C'est pour ça que, tu vois, l'anecdote que tu relatais sur Taylor, alors oui, effectivement, et puis de toute manière, ça, c'est, je veux dire, c'était connu, quoi, c'était de notoriété publique. Mais à côté de ça, voilà, tu vois le Cléopâtre, c'est un monument, c'est une dinguerie, ce film. Ce que je veux dire, c'est que malgré ce côté caprice, machin et tout, là, il arrivait à livrer quelque chose. Hein, là, c'était pas elle, hein, c'était Rex Harrison. Hein. D'ailleurs, Rex Harrison nous a refait la même lorsqu'il y a eu My Fair Lady avec Audrey Hepburn, où il a là aussi, il fallait que son nom soit plus gros sur l'affiche que celui de Audrey Hepburn. Enfin, ça a foutu un bordel pas possible. Ouais, enfin, je suis d'accord avec toi, mais en fait, moi, ce que je voulais en venir, c'était ça, c'était malgré ses caprices d'enfant gâté, de star. Ouais, mais c'est pour moi, je suis désolé, c'est presque des caprices d'enfant gâté, quoi. Totalement. Des gens, il ne faut pas leur dire non. Mais à côté de ça, il livrait quelque chose, une prestation qui est restée dans les mémoires et tout. Alors que, je suis désolé, mais il y a certaines anecdotes, même encore des trucs qu'on voit passer aujourd'hui, les autres qui font leur starlet, leur petit caprice à 2 balles, et tu vois le film, le résultat, tu dis, mec, il a fait des caprices pour ça, pour livrer cette prestation-là. Moi, je serais les producteurs, je lui donne plus de rôle. Hein. D'ailleurs, tiens, ça me fait penser, parce que tu vois, tout à l'heure, j'ai évoqué l'horreur du remake de La Cuisine au beurre avec l'inénarrable Dubosc. Et du coup, bah, tu me connais, moi, souvent, j'ai des errances wikipédiennes le soir. Et je suis allé, par curiosité, mais vraiment par curiosité, parce que bon, tu sais ce que j'en pense, hein, de cette... je n'ai même pas envie de l'appeler acteur, parce que pour moi, voilà quoi. C'est plus un humoriste qu'un acteur, à la base. Et par curiosité, je suis allé voir sa filmographie. Et figure-toi que j'ai découvert que en 2019, il a sorti alors un film que tu adores, Patrick, le fameux All Inclusive. Oh, le chef-d'œuvre, mon Dieu. Le chef-d'œuvre absolu, hein, on est d'accord. Ah, mais quel film. Réalisation. Non, pourquoi je te parle de ce film? Parce que faut savoir que c'est un film qui n'a fait que 814 000 entrées. C'est 814 000 de trop. De trop. Voilà, mais retenez ce chiffre. Sachant que donc la même année, toujours en 2019, il sort
un film qui s'appelle Toute ressemblance, réalisé par Michel Denisot. Et en fait, pourquoi j'en suis arrivé à voir ce film? Non, ça y est, je sais pourquoi. Parce qu'en fait, je me renseignais sur Delon. À ce moment-là, je me baladais dans la filmo de Delon et j'ai vu que le dernier film en date dans lequel il était crédité, il apparaît, il joue d'ailleurs son propre rôle. De toute façon, depuis les années 2000, Delon, à chaque fois qu'il fait, c'est son propre rôle. Il y en a qui me diront, ah, en 2008, il a fait Jules César. Eh ben, il joue son propre rôle. Delon et la star Delon. n'empêche que je parle à partir des années 2000. Non, ouais. mais la tirade quand il est Jules César, c'est à tomber. Enfin, bref, et donc c'est j'ai vu qu'il avait joué dans ce fameux film là réalisé par Michel Denisot, qui en tête d'affiche a Franck Dubosc, parce que Franck Dubosc joue quand même le personnage principal de l'histoire. Je l'ai vu. C'est un genre de. Après, D'accord. Le film, ben, tu vois, tu me disais c'est 800 000 de trop. Là, il a fait 108 000 entrées. Donc, si tu mets bout à bout All Inclusive et Toute ressemblance, sur l'année 2019, le mec, il a fait quand même… Attention, parce que ce sont deux films. Toute ressemblance a coûté 8 millions d'euros. All Inclusive en a coûté 15 millions d'euros. Je ne sais pas si… Voilà. 15 d'un côté, 8 de l'autre. Ça fait 23 millions d'euros pour moins d'un million de téléspectateurs. Or, avec deux contre-performances comme ça en 2019, tu te dis normalement n'importe quel acteur, actrice, machin qui fait une contre-performance comme ça, parce qu'il faut savoir que ben, dans All Inclusive, c'est pareil, il est tête d'affiche, hein, il a quand même le premier rôle. N'importe quel acteur, donc actrice, je reprends, sa carrière est finie. Le mec, depuis ça, donc en l'espace de seulement 5 ans, 15 films. Tu m'expliques ça? Non, à mon avis, le mec, il a des dossiers. Il a des dossiers, puis il dit, hey, les gars, si vous ne me faites pas tourner, hein, je rends ça public. Il est fait chanter, c'est pas possible. Mais c'est pas possible, non, Patrick. Mais si. Alors, je m'excuse. Le mec fait deux bousasses qui coûte la bagatelle de 23 millions d'euros, il fait même pas un million d'entrées, donc je vous laisse faire vite fait le calcul hein, pour voir à peu près ce qu'ont rapporté les deux films au global. Donc, ça veut dire ça a dû rapporter quoi? Allez, 10 millions d'euros maximum, et encore, je suis gentil. Et le mec, il fait 15 films après ça. Regarde, rien qu'en 2020, deux films, 2021, deux films, alors 2022, ça commence à s'accélérer, trois films, 2023, 4 films. Et là, en 2024, il y a encore 3 films qui sont prévus. Et attention, le coup de grâce qui est prévu en 2025, Un ours dans le Jura, où en plus, monsieur réalise le film. Ah bah oui, il va nous faire le coup de Eastwood, tu vois, ou de Gibson. Maintenant, je réalise. Mais comment c'est possible quand tu vois un mec qui fait de telles contre-performances? Et attends, là, j'ai parlé que de l'année 2019. Hein, je me suis pas penché sur ce qu'il a fait avant. Qui ont fait des fours complets aussi. Pension complète, ça a été un four. Les visiteurs, la révolution, ça a été un flop. Camping 3, il a pas cartonné. Enfin, voilà quoi. Au bout d'un moment, pourquoi ce mec continue à autant tourner? Moi, je ne comprends pas. Voilà. Après, il y en a qui diront, ouais, voilà, il s'acharne sur Franck Dubosc. Ben, c'est pas que de l'acharnement. Au bout d'un moment, c'est expliquez-moi quoi. Je ne comprends pas. Alors, voilà. Oui, pardon. C'était mon petit coup de gueule du soir. Non, mais tu as bien raison, j'en profite. Mariella qui dit, oui, c'était de vrais acteurs, pas ce que l'on voit maintenant. Malheureusement, tu as raison. Ben bah, oui, complètement. Et puis, le retour de Maître Kevin Maître Pascal, et oui. Donc, bien entendu, Maître Kevin qui est de retour, et puis notre maître à tous qui dit, coucou les amis, je suis Oli, je vous écoute, je suis naze, ce soir, je tenais à vous féliciter. Pour le live, première partie que j'ai écoutée avec passion en replay, merci à vous deux, vivement la suite, celui de... Ben, merci beaucoup à toi pour ce beau compliment. Merci mille fois. Oui, ben ça me touche, de toute façon, en étant... J'aime bien, il précise celui de Harry Potter. Ben oui, on sait, la première partie, voilà, ce mois-ci, il n'y a que ça qu'on a fait une première partie, on en a encore deux autres à venir. c'est exact, effectivement. Mais c'est gentil, merci de toute façon Pascal, on essaye tout juste de t'arriver à la cheville, mais c'est tellement dur que
La montagne est trop haute à gravir. Et Mariella qui va dans mon sens, MDR de Bouzas. C'est exactement mais, ça. Mais le problème, il est là, de toute façon. C'est que, mais je reviens encore sur... comment là, c'est sur son nom. On se doute bien que c'est sur son nom, mais... Oui. Comment, son nom n'est pas dans le Québec. Non, mais là, je ne parle pas de Franck Dubosc. Mais, tu prends un gars, je reconnais qu'effectivement, à une époque, puis il a eu, c'est Christian Clavier. Comment sur son propre nom, et puis je veux bien, à la limite, pourquoi pas faire un film, hein, parce qu'il est là, je veux dire, mais je m'appelle Christian Clavier. On arrive avec un truc, tu regardes le titre, Les Vengeances de Maître Poutifar. Pourquoi pas, après tout, ça ne veut rien dire. Hein, alors voilà. Oui. Et je commence à lire le script. Et au bout de 3 lignes, j'arrête, je dis, ça a l'air intéressant, oui, franchement, mais je suis malheureusement désolé, les dates, malheureusement, je ne peux pas, parce qu'à ce moment-là, je vais tourner ailleurs. J'ai déjà prévu... Vous voulez décaler ? Ah oui, non, mais je vous explique. Le problème, c'est que juste après... Après, j'ai un autre tournage. Je suis désolé, vraiment. Au bout d'un moment, les gars, si vous n'avez pas compris quand je prends des gants, hein, c'est de la merde, votre truc, quoi. Voilà. Ah oui, non, mais à un moment... J'ai un élément de réponse. Moi, je pense que Clavier, maintenant, c'est un Nicolas Cage à la française. Sauf que là où Nicolas Cage ne s'en cache pas, ou comme un Galabru qu'on a cité tout à l'heure, qui a dit « Oui, moi, j'ai fait des films alimentaires », et d'ailleurs, Nicolas Cage ne s'en cache pas, hein, il le dit, moi je fais des films parce que bah, voilà, il a un train de vie, il faut qu'il le finance. Sauf que Clavier, voilà, c'est la mauvaise foi à la française, c'est en mode je fais des films pour le chèque, parce qu'à mon avis, il lit même plus les scripts. Tu veux mon avis, il lit même plus les scripts avant de dire. Il y a oui. Un autre. Y a un à mon autre, avis, ce qui le décide à dire oui, c'est pas la qualité du script, c'est le nombre de zéros derrière le 1 sur le chèque, tu vois. Mais tu sais, il y a un autre exemple, c'est Gérard Jugnot. Comment est-ce possible que ce gars-là, qui nous a quand même pas fait des chefs-d'œuvre, mais il nous a fait des films plutôt sympas, depuis quelque temps, nous fait bouse sur bouse sur bouse sur bouse. Si même phénomène, dis, Patrick. Même phénomène. Vrai, si tu te dis un mot, c'est pognon. Mais bien sûr. Alors, ce serait bien. Un live singe en hiver avec le duo excellentissime Gabin et le jeune Jean-Paul Belmondo de l'époque. Et justement, le problème, c'est, on va te répondre comme on a dit à je crois que c'était à Pat Otaku, hein, tout à l'heure. C'est pas l'envie qui manque, hein, mais c'est qu'on est booké à mort. Par contre, alors, si je ne m'abuse, on la va soif traiter... de l'or. C'est sûr, oui. Ah oui, ça, la soif de l'or, il l'a, oui, ça l'a un peu trop... D'ailleurs, il jouait très bien dans ce film, je pense, pas pour rien. Alors, il faut savoir que, juste pour revenir sur Un singe en hiver, j'aime bien, c'est la phrase de Belmondo au sujet de Gabin. Belmondo qui débarquait, hein, il débarquait. Oui, bah oui. Voilà, il débarquait. Et Belmondo, dans une interview, qui dit à sujet de Gabin, « Gabin, il est sympa comme gars, mais reconnaissez, il est un peu con quand même. » Gabin a dû apprécier. Surtout que, comme je le disais tout à l'heure en début de machin, Gabin, il avait des battoirs aussi. Laisse tomber. Non, mais c'est culotté. J'avoue que c'est culotté. Parce que tu parles de Gabin quand même, t'es pas en train, tu vois, je veux dire, mais le mec, ouais, il est sympa, Gabin, mais il est un peu con quand même. Ok, mon gars. Mais cela dit, Mariella, je pense, et Patrick me corrigera si je me trompe, mais on va traiter dans un autour du film, un film avec Gabin. On va parler du chat, il me semble. Ah, alors, le chat, c'était prévu, mais c'est plus du jour parce qu'on ne sait plus où le mettre. C'était prévu, mais rappelle-toi, on l'a enlevé parce que tu ne l'avais pas vu. Je dois le voir, oui, parce que moi, je ne l'ai pas vu celui-là, c'est vrai. Voilà, et c'est pour ça qu'on l'a enlevé, parce que malheureusement… Bon, autant pour jeu. Non, mais... De toute façon, voilà, moi, comme on disait une fois, bon, tu n'étais pas là, Mariella, mais le truc, c'est que moi, il va y avoir une période assez compliquée dans ma vie IRL avec mon épouse. Alors, ça se passe pas très bien avec mon épouse, hein, c'est pas la question, mais il va y avoir de gros changements et c'est pour ça qu'on va devoir peut-être être obligé avec Patrick de suspendre pendant un temps les lives. Mais on y reviendra, quoi qu'il en soit, une fois que nous, notre situation personnelle se sera stabilisée. Il n'y a pas de souci sur ça.
Mais voilà. Et puis bon, de toute manière, voilà, comme on compte pas arrêter l'émission demain, quand cet écueil dans ma vie IRL sera passé, on pourra faire un programme après, si ça se trouve, sur un an et demi. Tant qu'on aura la flamme et l'envie, la passion, on ira, Ah, quoi. et puis de toute façon. Enfin, je parle pour moi, mais parce que je pense que c'est pareil pour toi aussi, hein, Oui, parce que. mais de toute façon, il y aura, s'il n'y a pas de live, de toute façon, il y aura toujours des choses sur la chaîne, puisqu'il y aura des trucs thématiques qui vont Oui, arriver. Mais on en là, avait parlé aussi déjà. je vous avoue, je suis à fond sur les trois parties d'Harry Potter. Ah ben, et puis avec le boulot que ça demande, oui, Voilà, effectivement. et donc, c'est pour ça que ça va être un petit peu compliqué ce mois-ci. En tout cas, pour Pat et puis Mariella, parce que je pense que Pascal est plus qu'au courant, je le redis à chaque fois, il faudra qu'on le fasse, on l'avait fait à une époque, et il Oui. va falloir le refaire. Donc, en mai, le 7, The Thing, le 14 mai, Force Again, le 21 mai, Outrage, le 28 mai, Contact, et il faut savoir qu'il y aura deux spéciales, une Alexandre Astier un vendredi et un autre vendredi, un spécial Le Labyrinthe. Le Labyrinthe, vous savez, c'est ces trois films, hein, The Maze, The Le Maze, ouais. Labyrinthe, Terre brûlée et puis le Le remède troisième, mortel. Le Remède mortel. Merci beaucoup. En juin, nous avons le 4 juin IP5 de Jean-Jacques Benex avec, entre autres, Olivier Martinez, si je ne m'abuse, celui qui avait joué dans. Oui, Hein, on est bien d'accord. aussi, dans le Oui, et puis hussard. voilà, et puis Yves Montand. Le Voilà, mardi surtout. 11, Triangle, c'est un film, mais pour l'instant, on ne peut rien vous dire et on ne vous dira rien. Voilà. Le 18, spécial, parce que c'est monsieur qui va s'en occuper. En sachant que D'ailleurs, t'as pas précisé que en Outrage, mai, c'était pareil en mai. voilà, en mai, Outrage, c'est Maître C'est Olivier qui va Bibi. s'en occuper. Donc, si Le ce soir vous 10. avez trouvé que c'était merdique, que c'était pas cool comme d'habitude et tout, c'est ma faute. Et Non, ce non, sera non, pareil pour Outrage et ce sera c'était pareil. génial, c'était génial. Le 18 juin, donc, alors là, on fait une comédie. Ce ne sera pas Une l'appel comédie. hein, du 18 juin, mais ce sera le Non, 18 juin non, quand non. même. Mais par contre, on adore ce film Je tous les deux, vous c'est pour ai ça que, voilà. compris. Ça manque un peu d'anime. Oui, ça Ouais, c'est on vrai, en mon a cher fait pas Kevin. mal précédemment, hein, mon cher Kevin. Alors, Hein. mais Kevin, tu me laisses finir ça et je vais essayer de répondre à ta question, ou du moins à ton interrogation. Donc, le 18 juin, ben, c'est Rasta Rocket, parce que celui-là, alors quand même, qu'est-ce que j'ai Oh pu là me là. faire pleurer de rire, moi. Fabuleux. Et puis, le 25 juin, ben, c'est le voyage au centre de la Terre avec Maître James Mason. Et là. Oui, c'est pas la version avec The Rock, je crois. Bon, Hein. d'accord. Et de toute façon, ici, l'admiration que j'ai pour James Mason. Et oui. Mon maître Pascal, hein, il saura pourquoi. En juillet, on va faire une comédie que j'ai dû voir 25 fois et à chaque fois je prends toujours le même plaisir. C'est Miss Détective avec Sandra Oh Bullock là. et Michael Caine. Ce film me fait halluciner. Et le 9 juillet à 21h, alors c'est Maître Olivier qui va s'en charger. Et quel live, puisque ça Et sera. là, ça risque de dépasser un peu par rapport à notre format habituel, hein, parce que vu le film. C'est quand même un film avec Mel Gibson et Sophie Marceau. Roulement de tambour, vous avez trouvé? Non? Oui? Allez, c'est Braveheart, bien entendu. Mon Dieu. William Forcément. Wallace fait 8 mètres de haut. Oui, et quand il pète, il envoie des éclairs avec son cul. Le mardi 16 juillet, c'est Chouan. On ne sait Là. pas encore si on fera la version longue ou la version courte. Faudra qu'on va en discuter. Parce que si Voilà, on c'est va voir version ça longue, entre nous. sinon c'est 4 heures, si c'est la version longue. Ensuite, le 23 juillet, c'est Les Ruines. Les Ruines, c'est un petit film de série B fantastique que j'adore. C'est génial, les vieux films sont des pépites aussi. Merci pour le programme, venir super. Merci beaucoup, Mariella. Et enfin, le mardi 30 juillet, eh bien, nous allons faire un petit western. Un petit western avec des gens pas très connus, Gene Hackman, Leonardo DiCaprio, Sharon Stone, Entre autres. entre autres. Un film d'un réalisateur pas connu non plus, qui s'appelle, je crois, Sam Raimi.
Maître Pascal, de toute façon, a déjà trouvé depuis très longtemps de quel film il s'agit. C'est Mort ou vif. Mort ou vif. Voilà, voilà, voilà. Une petite précision pour, parce que là, je le dis pour Mariella, parce que bon, apparemment, c'est la première fois qu'elle vient nous voir. Mais après aussi pour les viewers qui passeraient par là en replay, sachant que logiquement, le rythme, c'est tous les mardis hein, autour du film. Et quand il y a un spécial, c'est le vendredi. Ouais. Sauf cas exceptionnel, comme c'était le cas ben, là, cette semaine, où on ne l'a pas fait hier, on l'a fait ce soir, parce que ben, voilà, on a aussi des vies IRL. Et des fois, et puis, ben, avant, et puis avant, on a eu des soucis, Olivier a eu des soucis Internet. Oui, oui, non, mais là, je parlais spécifiquement. Ça a un petit peu décalé les choses. Hein. Voilà, je parlais spécifiquement pour ce soir, voilà. Ouais, bah, et oui, ouais, c'est parce que ça explique aussi, effectivement, qu'on ait fait dimanche la première partie d'Harry Potter, quoi. Exactement. Mais là, normalement, sauf problème majeur, les deux parties suivantes, la partie 2 et la partie 3 finale, seront le vendredi. Ouais. Ouais, et vaudra mieux, d'ailleurs, parce que, mon Dieu, le fait que ça a été dimanche, bon, je t'en ai parlé en off, je ne m'étendrai pas là en direct, mais ça a été compliqué pour moi. Mais c'est gentil, c'est gentil. Alors, il faut savoir, Mariella, j'en profite, hein, Pat Otaku est au courant, Kevin, n'en parlons plus. Et Kevin, je n'oublie pas, ne t'en fais pas, je vais essayer de répondre à ce que tu as marqué. Mariella, il faut savoir que pour les spéciales, hein, les gens peuvent venir discuter avec nous, il n'y a aucun problème. On le faisait à une époque avec les autour du film, et puis on, voilà. Le format se prête beaucoup moins. C'était un peu moins intéressant, aussi bien pour le chat que pour les invités. Donc, on a préféré revenir à ce qu'on faisait au début. Par contre, pour les spéciales, c'est journée porte ouverte, comme on dit. Et si un jour, Mariella, tu veux venir discuter, alors je te l'ai dit. Tu es la bienvenue. Il y a bien entendu les deux parties d'Harry Potter. Donc, je ne sais pas si tu es intéressé. Tu pourras venir vendredi ou le vendredi d'après. Sache aussi qu'il y a donc effectivement le spécial Alexandre Astier qui arrivera le mois prochain. Et puis, je le répète, le Labyrinthe, The Maze, en trois parties. Ça, ce sont les trois films. Voilà. Et il y aura forcément, certainement, de toute façon, en juin et en juillet, des petits trucs comme ça qui arriveront comme d'habitude. Oui, mon cher Olivier. Et dernière précision, parfois, par contre, il nous arrive, comme je pense qu'on va faire ce soir, peut-être pas trop tard, mais un petit peu, après le autour du film, on laisse traîner le lien dans le chat, comme ça, une fois qu'on a coupé le live, bah, viennent ceux qui veulent un peu papoter. Exactement. Avec nous. Et on n'est pas obligé de parler que du film, hein. On peut parler de plein d'autres choses, nous on est passionnés de plein de choses, de jeux vidéo, de bouquins, de... Et donc, il y a une question de Maître Kevin que tu devais répondre. Oui. Ben justement, ça manque un peu d'animé. Alors, bon, tu le sais très bien, nous avons fait Makoto Shinkai. Nous avons fait, grâce Miyazaki. À toi, et tu le sais, merci un million de fois. Ah oui, mille merci. Parce que le Miyazaki sans toi, je crois que ça n'aurait pas eu la même saveur, tu le sais. non, mais c'est la vérité. Et tu même sais, le Makoto, hein. Bon, même s'il nous a rejoint après pareil. Coup et tout. Mariella, ben voilà, écoute Alexandre Astier, le mois prochain, si tu veux venir. Rendez-vous est pris. Problème, tu peux venir, il n'y a aucun souci. Pour finir avec Maître Kevin, ben oui, mais tu sais qu'il y a beaucoup de choses dont j'aimerais en tout cas moi parler après. Moi aussi. Tu sais bien, Cowboy Bebop, j'aimerais bien qu'avec Olivier on fasse par exemple un spécial peut-être Akira, parce qu'Akira, mon Dieu, mais waouh, voilà, entre autres. Oui, parce que contrairement à Cowboy Bebop, moi, Cowboy Bebop, je ne connais pas du tout. Hein. Non, shame on me, hein. Akira, ouais. Ah, faudrait que je le revoie, bien sûr, forcément. Mais, Et puis, il y a d'autres trucs, tu super, sais, il y a Jinro, par exemple. Moi, j'adore Jinro. Oui. La Brigade des Loups, il y a plein. Il y a Paprika, par exemple. Paprika, Millennium Actress. Millennium Actress, c'est fabuleux. Et puis, on pourrait parler aussi, mon cher Kevin, parler d'une série que j'adore. J'ai pris une telle claque monumentale. Cette série, c'est Arcane. Arcane, c'est... voilà, j'ai plus rien à dire sur Arcane. C'est tellement démentiel que... voilà.
Mais là, c'est le problème. Mais ça viendra dans un futur à moyenne échéance, parce que c'est toujours pareil. Après, quoi. Voilà, après juillet, on ne sait pas trop. Je ne sais pas trop où j'en serai. Quoi. De toute façon, nous, on s'arrête le 30, mais peut-être que pendant un mois. Oui, bien sûr, Vampire Hunter, mais forcément, Pat, mais quel truc fabuleux, ça aussi. Mais il est possible qu'au mois d'août, il y ait une petite relâche. Alors, je dis, il y aura peut-être une vidéo comme ça qui traînera, mais. Parce que nous aussi, hein, on va peut-être prendre un petit peu de vacances, pas forcément en prendre réellement, mais au moins essayer de faire un petit break pour repartir sur les chapeaux de roue. Voilà, pour repartir sur les chapeaux de roue. Et puis, on a d'autres projets. On ne peut pas trop dire non plus. Hein. On a d'autres projets. D'ailleurs, tu me pensais après en off, je te parlerai d'un petit truc. Qu'on aimerait bien développer, mais c'est vrai que ce mois-ci, ça a été un petit peu folklorique. Oui, et puis comme je l'ai dit, en tout cas, Olivier, vous savez, préparer un live, c'est pas toujours si simple, parce qu'on a aussi une vie à côté. Là, on s'est lancé dans un défi à notre niveau. Hein. Nous, vous savez, on est juste des petits amateurs comme ça, on prend du plaisir à faire les choses, et puis on essaie de transmettre ce qu'on aime, même si on ne l'apporte pas forcément, c'est juste un tout petit caillou qui tombe dans un océan. Ah, c'est sûr, on ne réinvente pas la roue, mais voilà. Oh non, et puis on ne la réinventera certainement jamais. Mais, donc, il y a les trois parties d'Harry Potter qui nous tient à cœur depuis un moment. Donc, on essaye quand même d'essayer de faire les choses un petit peu bien, de ne pas trop dire de bêtises, quoique ça, c'est difficile, etc., etc. Donc, ça nous prend du temps. Voilà. J'ai tout dit. Je crois qu'on va pouvoir se diriger tranquillement, parce qu'on est presque à 3 heures d'émission. Donc, déjà, je suis content. Tout à l'heure, j'ai regardé quand on a fini le film. Il était 23h15. Donc, je me dis, ça fait deux fois avec Stargate et là avec la cuisine au beurre. J'arrive déjà à maîtriser mon timing. C'est déjà pas trop mal. Comme d'habitude, mais je te l'ai dit, tu fais les choses parfaitement. Le premier, c'est très bien passé. Voir. Et là, ça a été au top. On n'a plus rien à dire. Donc là, il va nous rester à vous remercier chaleureusement pour nous avoir tenu compagnie jusque-là. Mets le lien. J'allais le mettre. Donc. Comme tu veux. Hop, voilà, ça y est, tiens, regarde. C'est envoyé. Hop. Tu l'as envoyé. Bon, alors comme ça, hop, embarqué. Voilà le lien. Le lien, si jamais vous êtes intéressé pour venir discuter, ne serait-ce que 5, 10 minutes ou plus avec nous, c'est. C'est avec un immense plaisir qu'on discutera de tout, de rien. Et puis peut-être vous nous donnerez des idées pour les semaines à venir sur des films ou sur d'autres choses, sur des spéciales qu'on serait susceptible de faire. Voilà, allez, en tout cas. Merci à tous ceux qui sont encore là. Merci à ceux qui sont passés faire un coucou, comme je pense notamment à Elena, je pense à Matt aussi. Qui ne sont plus là, mais qui sont passés, qui ont fait l'effort de venir faire un petit coucou de soutien. Barbie in wheelchair aussi. Exactement. Et après, maintenant, les habitués, j'ai envie de dire, hein, Patotaku, Kevin, pareil, qui vient souvent nous soutenir et tout. Et puis, bienvenue, Maître Arcania aussi pour le soutien. Et du coup, aussi, voilà, bienvenue à toi, Mariella. Exactement. Et au plaisir de te recroiser. Et il nous reste à vous souhaiter, pour ceux qui ne viendront pas à l'after, une bonne nuit. Parce que là, oui, on peut dire, dans 3 minutes, il est minuit. Une bonne nuit, une bonne continuation de semaine. Et puis, pour ceux qui sont tentés, on vous donne rendez-vous vendredi soir à 21h pour les années 4, 5, 6 de Harry Potter. Exactement. Et j'ai tout dit également. Parfait. Et donc, on dit au revoir. Et cœur sur vous, comme je dis toujours. Bye 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 bye. Bye bye. Ciao ciao.